je peux fermer ça. Salut Christo, salut à ceux qui arrivent. Alors, que je regarde que ça c'est bon. Coucou Alain. Ouais, juste une minute. Juste une minute, j'arrive. Allez, salut les amis. Alors du coup, alors attendez, qu'on mette ça devant, Minecraft, poète, qu'on mette la scène. Voilà. Ouh, dis donc. Alors, salut Christophe, salut Al, salut Mélodie, salut Sorcière, salut Utsari, salut De Torpille, salut à tous ceux qui sont en train d'arriver. Salut Chaotic Crew, voilà. Oh, premier live. Oh, incroyable. Allez, on va passer un bon moment ensemble, les amis. Hein, en cette fin d'après-midi. Voilà, jusqu'à 20h30, à peu près. Et on va jouer sur mon petit monde solo en hardcore que j'ai pas sauvegardé depuis un certain temps. Oh, on fait du build. Normalement, je devrais pas mourir. Je fais pas de trucs dangereux. Bon, allez, on dira que ça va aller. On dira que ça ira. Voilà. Quand même. On fait attention, on est prudent. Ah, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Ah, j'ai bouffé du Minecraft en plus aujourd'hui. J'en ai fait du Minecraft aujourd'hui. Oh oui, c'est vrai, on avait quand même bien avancé la nef. Ça, c'était lundi. KO Mélodie. Ah. C'est ça, hein, de faire des folies de son corps la nuit, tout ça. Hein. C'est ça. Hein. Je rigole, hein, bien sûr. Ok. Non, mais c'est bien. Attendez, je regarde un truc. M. Non, c'est Gilles, la map. Oh, à chaque fois, je me fais avoir. Tac, le pont, le machin, le château. Très, très bien. J'ai combien de render distance, option, vidéo setting, 12 chunk, c'est bien. Allez, tout est bien. Ah, t'as tendu la pelouse, tout ça, ouais. C'est fatigant de tendre la pelouse et tout. Alors, où est-ce qu'on en était là-dedans? Je veux juste voir au niveau des tours, qu'on regarde un petit peu ce que j'avais fait. Je sais que c'est tout récent. Si j'ai une torche ici, j'aime bien avoir une autre par là. Là, on peut aller dans le triforium. C'est parfait. Là, on peut grimper dans les tours. Alors, attention autour des coteaux. Ok. Très, très bien. Très, très bien. Ah oui, là, j'étais en train de me demander. Est-ce que je fais un petit plafond intermédiaire? Est-ce que je fais un petit planche intermédiaire ici? Oh. Non, en vrai, c'est pas vraiment utile. Par contre, au niveau des tours et de l'avancée qui est là,
Je regarde, là, je vais voir ça, là, je vais voir ça. Ah, j'ai pas la place de faire mon teaser, oui, devant. Bon, c'est pas très grave, en fait. C'est pas très, très grave. Du coup, ce truc-là, je vais le finir comment? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Attendez, parce que là, je vais avoir la tour qui va monter. Ça va aller jusqu'à là, et la façade. Ah si, la façade, il en manque un mot pour la façade, bien sûr. Ah, attendez, que je ne sois pas perdu. Donc là, tout ça, c'est ma tour. D'accord. Tout ça, c'est la tour. Par contre, du coup, ici, il faut que je bouche toute la partie qui est là, bien sûr. Voilà. Sinon, ça va être bizarre. Et si je l'ai fait ici, il y a de fortes chances qu'on le fasse aussi de l'autre côté, bien entendu. Ouais, de toute façon, là, ainsi au niveau plafond, ça correspondrait. On pourrait aller en face en vrai. Là, déjà, je vais faire ça. Là, déjà, ici, ça serait bien quand même que je bouche au moins le côté. Au moins ce côté-là, je pense que ça se voit. C'est pas sûr, mais ok. On va passer quand même par là pour aller de l'autre côté, ça sera plus simple. Voilà. Voilà. J'arrive. Okay. Ne tape pas trop quand même. N'importe quoi. Ah, mais il manque un carreau là, dis donc. J'en ai. Ouais, super, j'en ai. Tac, ça, on va monter ça. Je l'ai monté jusqu'où là-bas, jusqu'à là. Comme ça, c'est gentil. Ouais, c'est bien, allez, c'est bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va quand même mettre des torches à des endroits stratégiques. Parce que on la connaît l'histoire. On la connaît l'histoire. Là ici, pour pas que ça se voie, en vrai, on peut les mettre là. Je vais en mettre deux de chaque côté ici. Voilà, comme ça sera éclairé. De l'autre côté ici, ouais, je fais ça, bon, on s'en fiche. Voilà, s'il faut monter. Là, juste là. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, on va prendre un peu de recul avec l'Africam. Voilà, attention à toi, Walou. Enfin, attention. Hein. Ainsi, on est pas mal. We are good, we are good. Salut Calgaris. Et salut à ceux qui sont en train d'arriver. On est en train de se faire une jolie petite église romane. Simple, hein, très simple, efficace et pas cher. Voilà. C'est la romane qu'on préfère. Et on va faire monter un petit peu nos tours. Normalement, oui, normalement, j'ai pas autant de fenêtres là, mais moi j'en ai fait plus parce que j'aime bien. Je pense qu'on peut faire à partir de. Attendez, est-ce que là, ça serait bien, ça serait peut-être le bon moment pour faire un petit contour. Allez, on va s'en faire un petit contour. Dans quel sens? Je vais le faire avec des escaliers en mode. Et justement, comme ça va fermer le machin qui est là. Alors, par contre, c'est à quel niveau que je le mets? Je pense que, en vrai, à ce niveau-là, c'est pas mal. Ici, là. Alors là, paf. Au niveau des machins. Attendez, F4, tout petit peu de recul. Est-ce que ça va pas gêner? Non, là, en vrai, on est bien. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ok, donc du coup, tac, on va faire un petit contour ici. Pour bien marquer la tour, différencier avec les autres blocs. Oups. François, à mon avis. Ah oh bah bien sûr. Les blocs qui tombent. Crotte de bitch. Hop. Bon, on va être bien au niveau de la tour. Et d'ailleurs, il faut que ça rejoigne de l'autre côté. Ah oui, j'en ai vraiment plus sur moi de la mode. Oh, c'est pas grave, hein. On cherchait, hein. On est des fous. Hein. Hop là. Hop là. Ça manque de lumière là-dedans, je trouve. C'est normal, ça. Où est-ce que je les ai mis, les lumières de l'autre côté? Alors attendez, je regarde. Normalement, elle est derrière, elles sont derrière ici. Moi, j'ai intérêt à les mettre, peut-être. Genre par là. À peu près, hein. Je repars là. Voilà, très bien. Ici c'est éclairé, ici c'est éclairé.
Donc là, il n'y a pas besoin. Et puis là, on va continuer à monter de l'autre côté. Ok, ça marche. Très bien. Hop là. Alors, coucou, merci à toi Silver82 pour ton 20e mois de sub, c'est adorable. Merci beaucoup. Salut Wasabi. Oh, Silver82, ça change de couleur. Incroyable. Passe au rouge, à l'orangé. En tout cas, salut à toi et salut à ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue, venu. Alors, attendez. Je suis en train de regarder. Ouais, le contour c'est bien, ça va faire bien. Ça va être sympa. Donc on va s'en reprendre. Non, il a presque pu. Crotte de biche. Enfin, presque pu de la mud. Tac. Il me reste deux stacks de mud. Les carreaux, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc, pour l'instant, on va les ranger là et là. D'accord. Ouais, d'accord. On va le mettre ici parce que ça nous en kikine. Et puis c'est pas mal. Je voulais aussi des dalles. On va remonter un tout petit peu des dalles blanches. C'est tout ce qui reste. Oh, purée. On va se refaire un petit peu. Peut-être pas tout ça, mais ça. Tac. Des dalles. Oui, mais des panzani. Salut Kozoto. Kozotoze. Banders. Ouais, ça au niveau hauteur, c'est bien. C'est pas mal au niveau hauteur. Bon, je prends pas les tournicotos. Hein. Ah, il y a raccourci devant. On se fait plaisir. Ok, donc ça, effectivement. Alors pourquoi? Attends, j'essaie de comprendre un truc. Pourquoi j'ai un truc là? Non, je dirais que ça ici, il n'y a pas de trou. Ah, ça y est, je sais pourquoi. C'était le vilain creeper. Oh, qu'il est vilain. C'était le vilain creeper qui était là. Qui nous a bien embêté, le Chopeper. Bon, il est mort, hein, dans d'atroces souffrances. Ça lui apprendra. Faut que je continue mes tours. Faut pas que je fasse que ça. Là, on va monter gentiment. Ok. Au moins jusqu'à là. Hop. Bim. On va monter tranquille. Paf. Ça, c'est bon. Et là, on arrive ici. Pour le moment. Voilà. Alors, du coup, on a fait des escaliers. Je les ai pas fait, mes escaliers. Pas fait les escaliers, non, crotte de biche. Et ben on va s'en faire, y a pas de problème. Je peux faire même ouais, le tour, une trentaine. Je suis pas sûr d'avoir assez. Bon, on verra. Bon, au pire j'en ferai. Hop, tac. Donc ici on va se faire le petit contour gentillet. Comme ça, on regarde jusqu'à où on emmène ça. Ben, jusqu'à là. Jusqu'à là, c'est bien. Voilà. C'est bien ce qu'on voit, les structures hein, des bâtiments comme ça. C'est cool. Hop. Ok, là, on va continuer à monter. Je me suis fait pas d'avancée, non. Par contre, ici, ce que j'ai besoin, c'est de monter ça. Attendez. Je suis à la bonne hauteur, là. F4. Non, il faut que je monte d'un cran. Faut qu'on monte d'un cran, dis donc. Tac, donc ici, hop. Voilà, l'escalier va là-dessus. Bon, c'est pas des bêtises. Hein. Lui, je vais l'enlever en attendant. On va le remettre après. Ok, bon, attendez, je peux commencer par là. Ça mange pas de pain. Hop, et hop. Donc, du coup, là, je vais avoir ça ici, ici. Etc. Alors, le petit tour. C'est bien hein, pour certains étages ou certains trucs, quand vous avez des bâtiments un peu hauts, de commencer à rajouter des petits reliefs. Bon, voilà, c'est simple, hein, c'est juste un petit escalier, mais c'est cool de rajouter des petits trucs comme ça.
Ah. J'ai dit bonjour à Calgary, je crois. Ouais, j'ai dit bonjour. Ouais, si c'est bon. Quand même. Ah, ma crotte, il m'en manque un tout petit peu. Oh, non, il m'en manque pas beaucoup en plus. Allez, un petit peu plus. Tac. Alors, vite. 9, 10. Allez, hop. Et hop. Coucou Césarie. Oh, tiens, demain, les amis, il y aura une nouvelle. Un nouveau truc. On pourra. Enfin bon, je vais faire un live de test demain. Je vais commencer à regarder. Et si le serveur me plaît, je vais voir. Mais on pourra peut-être jouer ensemble à Minecraft. Oh, incroyable. Parce que. Il y a le serveur Evolucraft qui m'ont demandé de passer, tout ça. Donc on va voir. Et en plus, comme c'est un serveur multi, mais qui est vraiment. Il y a Epierre qui joue dessus, déjà. Il y en a d'autres, il y a Boisboîte. Boisboîte à meule joue dessus. Enfin, il y en a plusieurs qui jouent dessus. Donc, on va voir. On va voir, mais ça a l'air assez cool. Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, demain, il y a un live dessus. Comme ça, vous pourrez voir, pour ceux qui s'intéressent, ce serveur sympathique. Alors, par contre, là, c'est la tour. Hein. Ouais, c'est la tour. Donc, ici, effectivement, ça va être fermé là. Donc, par contre, j'ai sans doute mis un bloc. Tac, tac. Lui, il va être de trop. Attendez, la tour, elle est là. Ouais, ce bloc-là, il est de trop. Voilà. Puisque, en fait. Voilà, la tour, elle continue. La tour continue ici, bien sûr. Ouais, j'en ai un trop. Je me fais un petit escalier. Hein. Évidemment. Et voilà, ben, c'est parfait. Ok. La tour monte là, tac tac, sera fermée ici. Donc c'est parfait. C'est parfait. Et là, on a un premier relief à cet endroit-là. Donc c'est cool, F4. De toute façon, il va falloir qu'on aille chercher un peu de mud. On est plutôt pas mal. Ah, je vais rajouter qu'une seule fenêtre. Ben, juste ici. Faut que je la fasse aller jusqu'à la hauteur, la même hauteur que la rosace. Ça, moi, j'aime bien quand c'est un petit peu aligné. On aura presque pu la démarrer à la fenêtre. T'es pas bête. Comme ça, cette fenêtre-là. L'autre qui est là, elle faisait combien de haut? Elle était quand même grande. 1, 2, 3, 4, 5, voire 6. 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire une qui va faire la même dimension. Comme ça, ça sera bien. Alors, par contre, le milieu de la tour. Faire une petite fenêtre comme ça, sympatoche, simple et efficace. Ok, très bien. On va faire la même devant là-bas. Est-ce que j'en fais sur le côté? C'est pas obligé d'en faire tout le temps. Pas en faire de trop. Oh, bon, on va pas en faire de trop. Je suis en train de me dire. Ouais, non, c'est en bas qu'on peut passer. Donc là, en fait, après, je pourrais plus passer ici. Tiens. Ouais, c'est juste momentané. Est-ce que je mettrais pas des petits supports pour habiller le truc? Ça ferait joli. Genre un truc comme ça. Évidemment. Il m'en manque. Un. C'est toujours comme ça dans Minecraft, il te manque un bloc. C'est souvent, hein. Allez, bim. Bon, il nous faut de la mud. On va se faire un peu de vide. Juste, attendez, je regarde F4. Niveau du toit, là, ça monte. Celui-là, il est bien terminé. Ouais. Celui-là n'est pas terminé. Oh, celui-là est terminé. Ok. Bon, on va au moins terminer le toit dans ce cas-là. Et après, on va chercher de la mud. Tranquillou. Par où je vais monter, par là, par là, par là, et en avant carrément. Très bien. Ok.
Donc il faut des dalles, hein, comme ça. Ok, là genre les escaliers. Donc cette dalle là, elle va ici. Okay. Et ça, ça va en dessous. Parfait, là je m'arrête parce que ici il va y avoir les transepts, bien sûr. Alors, hop, hop, hop. On s'avance ça gentiment. Ok. C'est fastoche. Hein. Bon, ça va les amis? Ouais, tout le monde est calme. Hein. C'est bien, c'est bien. Salut Asclap. Bonsoir. Tu serais pas un peu dyslexique, mon petit chibougnouf? Oui, ça va. Je dis rien parce que Mélodie, ces derniers temps, je mélange mes lettres quand j'écris au clavier. Quand je parle, ça va, mais quand j'écris au clavier, bah, des fois, je mets les consonnes avant. Je suis obligé de me reprendre à plusieurs fois. Je sais pas comment ça se fait. C'est un peu embêtant. Bon, c'est quand j'écris trop vite aussi. Hein. Mais ouais, c'est ça exactement, Mélodie. Je fais un truc dans ce genre-là, tu vois. C'est des dalles que j'ai mis alors que je débloque plein. Pas s'embêter, non? De Zeus! Allez, bim, bim. Évidemment. Le chibougnouf. Je te jure. Hop là. Allez, ça c'est bon. Ah oui, ça c'est bon, on avait déjà monté le truc. A plus, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore qu'on va mettre là. On peut y aller, on va en avoir besoin de toute façon. Touch. Je suis monté d'un en un, ouais, c'est bien, c'est bien. De toute façon, les toits des églises romanes, hein, ils montent pas forcément souvent en grosse pente. Les tours, c'est autre chose, hein, mais je parle pour les toits des bâtiments. C'est plus au niveau de l'art gothique et tout qu'ils ont commencé à délirer. Où suis-je? Qu'ils ont commencé à délirer et à faire des toits qui montaient très très haut. Hop là. Bah, même si vous regardez en fait ce qu'on appelle soit les absides ou les chapelles rayonnantes qu'il y a autour des églises romanes, les toits, ils sont rarement très pentus. Hein. C'est plutôt genre méditerranéen, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on trouve pas les toits qu'il y a dans le nord avec des pommes de balade. Hop là. Et ben voilà, ça c'est fait. Il me reste une torche qu'on va mettre ici en attendant. Et voilà. Très, 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 très bien. Absolument. Oh, c'est bien, on avance gentiment. Alors moi, je vais descendre par là, par là. Oui, j'ai une qui restait en rab, donc on va la mettre là. On va redescendre en mode tranquillou. Par ici. Voilà. Et il nous faut de la mud pour monter les tours. Ok, oui. Coucou, Ekichi. Coucou, Dudul. Coucou, les amis. Bienvenue à ceux qui arrivent. Hop là. J'ai tweeté, moi, au fait. Je me rappelle plus. Alors, si j'ai fermé, je pense que oui. Ouais, je pense que j'ai dû tweeter. Oh, c'est trop gentil. Hey. C'est-il pas un amour, cet homme? N'est-ce pas? Merci Kishi qui a offert 5 subs à la communauté, c'est adorable. Merci beaucoup. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, Kishi fait aussi des lives. Eh oui, madame. Donc n'hésitez pas à la rajouter et à aller voir ce qu'il fait, cet homme. Des choses fort sympathiques. Alors du coup, tac, ça je range ça là ici. C'est en attendant, hein, c'est en attendant. Ça, ça va là, ça, ça va là. Parce qu'on va aller chercher un peu de mud, on en a besoin. Parce que regardez, on en a trop. Pff,
En plus, ça va pas dans ce coffre-là, ça va dans celui-là. Ah! Par contre, j'ai encore de la cobble dipslate. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attends, si je vais chercher de la mode, ça, je vais aller le ranger. Donc par contre, tout ce qui est blanc, je l'ai mis par là. Ok. Ça, faudra que je me méfie parce que j'ai deux endroits où j'ai mis de la cobble dipslate. Ça, c'en est aussi, tiens. Regarde, dis donc. Et puis ça aussi, dis donc. Alors... ça, c'est des walls en cobble dipslate. Ok, faut pas que je mélange les pinceaux. Hein. Ah, ça m'embête, je vais pas pouvoir faire mes petits décors que je voulais. Bon, c'est pas très grave. Oui, parce que j'ai fait le F4. En fait, j'ai fait la fenêtre directement. Ouais, non, après ça, ça montera trop. Ça fera trop. C'est pas grave, on les fera à d'autres endroits. On trouvera des endroits stratégiques pour les faire. Donc, ça ira bien. Ça va le faire. En tout cas, hein, Kishi, cœur sur toi. Je le fais bien. Hein. Les cœurs. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Ah, white. C'est là. Ça, c'est là. Ça va à côté. Ici. Et on va se laisser ça. Voilà. Très bien. La mode, j'en ai un petit peu ici. C'est vraiment la dèche. Hein. C'est la super dèche, les amis. Ok, et là, j'ai de la cobble dipslate qu'on va mettre là. Très, très bien. Le reste, je peux le garder sur moi. C'est pas gênant. Pourquoi j'ai ça sur moi? C'est la fortune 3. C'était peut-être pour... oui, je sais pourquoi. En plus, j'en ai plus des torches. On va refaire. De toute façon. Est-ce que par hasard, vous savez qu'on peut faire des lumières avec genre les frog lights? Donc, je suppose que ça va être les grenouilles. Mais je me rappelle plus du tout comment est-ce qu'on les fait. Il faut tuer les grenouilles. Il faut... Non, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on fait. S'il y en a qui se rappellent, grosso modo, n'hésitez pas. Attends. Voilà. Salut la RSTV. Salut Dinedine. Tagalagalak. Ah, j'ai bien tweeté, ok. Super, super. Oui, il faut me soutenir, mais bien sûr. Grenouille et magma cube. Ah, il faut que les grenouilles gobent des petits cubes de magma. Ah d'accord, oui, les. Enfin, ah oui, les boules de magma. Non, pas les boules, les cubes. Donc vivants. Mais comment tu fais pour les faire approcher Comment tu fais? Tu es sûr? Oh, c'est compliqué. Et ça fait quoi? Ils font caca des loupiottes, c'est ça? Oh, c'est compliqué pour les avoir. Ils font caca des loupiottes. Non mais... C'est vrai? Vous avez déjà réussi? Il faut faire un truc spécial. Attends, c'est compliqué. Donc il faut, en fait, il faut emmener des grenouilles dans le Nether. Coucou Albator. J'espère que tu vas bien. Bon, alors du coup, parce que c'est des trucs que j'ai pas fait moi encore. Hein. Donc j'aimerais bien découvrir ça. En général, on trouve un spawner à magma cube dans le Nether. Il faut ramener les grenouilles là-bas. Oh le brun, toi, tcho. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, on verra. Coucou, Lord Alphonse. Ouais, donc du coup, ça veut dire, c'est de trouver un bastion avec un spawner à cube de magma, de le sécuriser et d'y amener des grenouilles. Ouais, donc faut les amener, j'imagine, en train ou un truc comme ça, quoi. C'est compliqué pour avoir des... C'est compliqué pour avoir les jolies, les petites lumières, machin, hein, quand même, hein. Et pour ça, il vaut mieux faire une petite ferme sur le toit du Nether et dans le biome Balzan. Ouais, le truc de Balzan. Oh là là! On laisse aussi, ça marche les grenouilles? Ah tiens, j'ai jamais essayé. C'est quand même compliqué, hein. Et merci à le Bubu19.
Je te fais des gros bisous pour ton 52e mois. Voilà. Ah, c'est super. Si le cœur est toujours là, elle bébu. Cœur sur toi. Voilà. Coucou Retro Gaming, bienvenue à ceux qui arrivent. Bon, ça va. On faudrait que j'essaye ça quand même, parce que ça, c'est un truc qui me plaît bien. Et oui, les couleurs qu'ils ont, c'est en fonction des couleurs des grenouilles, hein, c'est ça, du coup. Mais je pensais pas que c'était aussi compliqué que ça. Un peu le brun, hein, quand même, hein, pour avoir des lopiottes. Oh, c'est quand même compliqué. Alors. Ouais, de la mode. Ok, c'est tout ce qui me reste. Bon, vous savez ce que ça veut dire. Bon, on va s'en chercher vite fait. Du coup, même la dorte que j'ai sur moi, je vais la ranger. Attends, tac, je vais ranger là. Ça, je vais le mettre dans mon under chest en attendant. On va se prendre une potion de machin. Vous avez vu, hein, ça va vite à farmer la mode. Ça, je vais le ranger. Une petite potion de feu que j'ai déjà sur moi. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai déjà sur moi. Histoire de pas se faire trop attaquer, on va changer de casque. Voilà, ça c'est bien ça. Mon autre casque, je vais le mettre là en attendant. J'ai ma potion, j'ai tout va bien, la vie est belle, les mouches pètent et tout ça, et tout ça. Allez, c'est très bien. Go le nether. On va donc on va aller se promener. J'ai envie de construire. Ah, la couleur dépend du biome dans lequel naît le tétard. D'accord, je te jure. Incroyable. Ça me fait rire quand même. Ça fait compliqué pour avoir les petites loupiottes comme ça, quoi. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, en loupiotte. Moi, j'aime beaucoup celle en glowstone. Hein. C'est assez facile à farmer. Allez. Ne nous laissons pas distraire, les amis. Ça, c'est juste pour éviter si jamais on tombe dans la lave. Hein. Ça serait quand même la catastrophe. Mais c'est vite fait, hein, un petit cochon, un petit machin, tu vois. C'est très vite fait. Hein. Enfin, un petit cochon, un gros cochon. Les petits, ça m'étonnerait. Hein. Les petits, tu leur mets un petit coup d'épée, voilà, c'est terminé. Un squelette, enfin, n'importe quoi, un machin qui te pousse. Faut pas pousser mémé, on m'a toujours dit, mais... Et ce qui est marrant, c'est que j'ai une grenouille en plus qui est venue. Je sais pas si vous vous rappelez là dans le couloir où est-ce qu'on va aller. J'en avais une grenouille. Je crois pas que je l'ai tuée d'ailleurs. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Elle aurait pu écrire ou laisser un message. Elle m'a même pas laissé son 06. C'est une honte. Je te jure. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un blaze. Pourquoi je vais pousser ça? Ça pousse de partout, ce truc-là. Ouais. Alors la grenouille, non, elle était plus loin. Elle était plus loin, la grenouille. Mais à la limite, si je ramène. Ouais, en fait, une seule grenouille, ça suffit du coup. Elle meurt pas avec les machins, avec les. Avaler des boules de magma, ça me paraît bizarre. Hein. Tu crois je... bien vu Natal. Ah d'accord, il fait une vidéo pour ça, Minecraft pour débutants. Ah bah c'est gentil. Ah, très bien. Alors il y avait une poule, mais dans le temps j'avais une grenouille là. On en avait une de grenouille par là. Ok, c'est gentil. Très gentil. C'est ton bonjour, d'accord. Oh. Ah bah ben, c'est comme ça que. Elle est où l'araignée? Ah bah ben, elle est partie dans le machin. Marc, j'aurais pu y aller de jour. J'ai pas de lit, j'ai rien. J'ai fait le même coup la dernière fois. Ok. Non, c'est J la map. Voilà, j'arrive pas. Là on a dégommé un petit peu la partie qui est là. Bon, je vais aller un tout petit peu plus loin.
marche à Londres. On va aller. On les entend, les grenouilles. Bon, là, c'est la partie. J'en ai un petit peu là de la mode, mais peut-être pas s'embêter. Attendez. Parce qu'après, ça va être tout inondé, ça va être un peu embêtant. On va sélectionner tout de suite uniquement les blocs qu'on veut. Comme ça, on va pas s'embêter. Alors nous, les blocs qu'on veut... Ah, j'en étais sûr hein, que de nuit, ça sera en kikino. Bon, ça va, je suis quand même bien stuff, on va pas pleurer. Alors du coup, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas, ça on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Même ça, on n'en veut pas non plus. Voilà. Allez, ça va aller vite. Ouais, on va partir de là. Oh, le petit poisson. Oh, c'est quoi ça? Encore d'autres petits poissons. Bon, on veut pas des zones immergées, nous. Hein. On veut des zones... non immergé. Ok. Oh, je sens que ça va sous le pipe et tout. Pire. Oh là là, pire zombie. Je vous jure. Ok. Je suis pas tombé au meilleur endroit qui soit. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. C'est le seul truc qu'il faut éviter, c'est ça. Pardon, vous avez vu que ma flèche est passée au travers. Lol quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire hop 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 hop. Tagada, soin. De flotte qui rentre, c'est pour ça que je me suis éloigné un petit peu là. Et ça va quand même super vite à farmer hein. Ça, ce bloc là, ouah, ça fait plaisir. Ok, il n'y a pas d'eau par là. On est bon, on est bon. Ce qu'on veut, c'est cela. Purée, consommation de meubles. En même temps, c'est ce que j'avais décidé dès le départ. Donc, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Ok. Il y a même des doubles couches là-dedans. Des pampers. Hop, on se récupère tout ça. Bim, bim, bim. Oh, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, ça va nous ramener tous les blocs au même endroit. J'ai ouvert les vannes. Ouvrez les vannes. Ok. On a déjà fait plus de la moitié. Plus de la moitié déjà remplie. Là. Trop bien. Ça va quand même vite. Hein. C'est vrai. Ça va. Ah.
Non, on n'est pas dans ma live, ouais. Le corbeau croasse. Ah oui, Coas et croasse. Ah, d'accord. On se récupère et tout ça gentiment. Allez, bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Donc demain, je l'ai dit, un petit live sur Evolucraft. Je vais voir avec Pierre parce que je crois qu'il est en train de... Il vient de démarrer, pareil, hein, ça fait pas longtemps qu'il a commencé. Et ils sont en train de démarrer une ville. Alors en fait, deux trucs, soit on se joint à lui, ça pourrait être marrant. Mais vu que c'est lui qui gère les candidatures pour sa ville, soit s'il y en a pas mal qui veulent jouer avec moi, éventuellement, du coup, on pourrait faire une ville concurrente, ça pourrait être rigolo. Il fait jour, hein. Il fait jour, tu n'avais point à m'attaquer, Charlie. Ça pourrait être marrant. Salut ma petite piscine à creeper. Heureusement que non. Ok, bah, on a presque rempli. Elle est presque remplie la piscine. Alors, par contre, l'avantage de faire ça, c'est que si j'y arrive, voilà. Ça va me rapporter les blocs directement. J'ai entendu des bruits pas catholiques, vous avez entendu? J'ai entendu des bruits étranges, ça m'a fait peur. Ah, c'est parce qu'il y a encore de l'eau là, oh purée. Bon, on déglingue tout, hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Tiens, ben, j'ai rejoint l'autre endroit. Ah oui. Non, je t'ai plus, on va récupérer les blocs qu'on a besoin. Ça sert à rien de gâcher. Hein. Combien il m'en manque? J'en ai une trentaine là. Hop, on va péter juste la petite partie qui est là. Je pense qu'on va être good. Je pense qu'on va être good. Voilà, déjà là, je pense qu'on est good déjà. Ah bah ça y est, on a tout rempli. Et ben voilà. C'est malin. Alors il est où mon portail? Il est par là-bas. Ça se voit. Mais le biome là, il est... Attends, il est tellement grand. On n'en avait pas trouvé un autre? Non, ouais, bon, on a de quoi faire. Hein. Ouais. Il y avait encore tout ça, bon, on a de quoi faire. J'en avais pas trouvé un autre. Non, je crois que c'est le seul. Hein. Qu'est-ce que ça rame? C'est fou. Hein. Bon, c'est pas grave. Non, bon, enfin, bon, on s'en fiche puisqu'on a trouvé notre bonheur. Peut-être manger un petit coup. Hein. Salut Tifredo et merci à Datal. Voilà. Alors il y en a un aussi qui n'est pas écrit de mode, mais en fait qui est transparent pour vous, c'est le replay mode qui me sert à faire des timelapses si j'ai besoin de faire un timelapse. Voilà. Mais donc déjà, donc il y a la map, il y a les petits sons. Est-ce que... Non, le poulet... Non. Je dis peut-être qu'il va monter dessus, mais... Voilà. Bonjour, Tiberius. Pierre, ce gars-là. Je te jure. Ah, attends, je vais voir sur mon casque qu'on a. Ah oui, j'ai Mending dessus. C'est bien. Je te jure.
Ça va, mon titan? Allez, bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Welcome, come. Bienvenue dans ce petit monde hardcore. Donc, pas le droit de mourir, hein, bien sûr. Hein. Pas le droit de mourir sous peine de la mort. Bah non. Sous peine de recommencer tout à zéro. Ce serait quand même triste. Bon, j'ai un monde de sauvegarde. De hein. Toute façon, j'ai dit le moment où je meurs, hein, je distribue la map. Et puis après, libre à chacun de reconstruire dedans, de refaire des trucs, etc. Donc voilà. Bon, je fais attention hein, parce que. Voilà. Vous avez entendu. D'ailleurs, ce passage-là, il n'est pas vraiment beaucoup sécurisé. Vu le nombre de fois que je le prends, j'exagère. J'aurais pu quand même sécuriser un minimum. Je devrais sécuriser un minimum. Vous savez pas quoi? On va le sécuriser un tout petit peu. Ça va être vite fait. À chaque fois, je dis ouais, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et puis je le fais bon. Faut le faire, mon gars, faut le faire. Bon app, Christo. Ok. Donc, on va poser notre mode. Et on va juste rajouter un tout petit peu de bloc. En attendant. Et un de ces quatre, de toute façon, je vais pas y couper pour faire un chemin de glace ou je sais pas quoi, parce que c'est vrai que, dis donc. Je vais pas y couper, je pense. Glace, bateau, ça c'est bien. Voilà. Ça va vite. Hop. La map de Highlander, ah oui, mais le problème de Highlander, Ice Club, c'est que c'était des mods. C'est pour ça qu'elle a jamais été distribuée, c'est parce qu'elle était ultra modée. Donc il faudrait recharger tout le pack qu'il y avait de l'époque. Et en fait, c'était un peu trop compliqué. Mais non, elle fait pas mal, elle fait pas mal. C'est qu'il y a une raison, il y avait une raison. La raison, c'est comme c'était plein de modes et il y avait plein de donjons et tout ça, en fait, vous auriez des trous, je ne sais pas comment ça marcherait. Mais en fait, il faudrait avoir tous les mêmes modes, relancer le Minecraft de l'époque. T'imagines le brin? C'est un peu le brin, hein. Alors, mode. Mode. Voilà. Allez, salivo, ouais. Voilà, Highlander est immortel, bien sûr. Je te jure. Oui, on a dit qu'on allait sécuriser un tout petit, un minimum le truc, parce que là, je passe sur un bloc, et à chaque fois, je flippe. Je regarde qu'est-ce que j'ai là-dedans. Ah, ouais, effectivement. Ouais, effectivement. C'est un bon chou pépère. Bon, il n'en faut pas beaucoup, mais voilà, un tout petit peu. Je te jure. À chaque fois, je dis, je vais le faire, je vais le faire. Alors là, bien sûr, on va pas faire le chemin en glace et tout, c'est trop long, surtout qu'il faudra aller farmer de la glace et tout ça. Mais on va sécure un peu le truc, quand même. D'ailleurs, si je veux faire un truc en glace, je suis obligé que ça soit tout droit. Ah ouais, on est obligé que ça soit tout droit. Sauf qu'il y a un moment ça remonte. Il n'y a que là que ça monte. Attendez, je vais voir. Il n'y a pas un autre endroit où ça remonte ou seulement là? Si c'est seulement là, ça va. Et en plus, glace, ça veut dire qu'il faut deux. Ouais, il n'y a que là, hein, je crois. Ok. Ça frite à pas loin. D'ailleurs, j'ai pas pris mon Ender Chest. Ce qui est bête parce que pour couper ces trucs-là. Oh, je suis pas loin de la maison. Oh, quoique, attendez, ça va vite à couper ça. Surtout qu'en plus, j'ai besoin juste de cette épaisseur-là. On va faire sur deux. Voilà, on va faire deux à plat.
On va faire comme ça, on prépare pour la prochaine fois le petit truc. En faisant attention quand même. Ça va, j'ai mon casque en or. Comme ça, il va pas m'agresser. Normalement. Ok. Il y aura la glace par-dessus, mais ça va. On fera l'entrée à peu près là. Voilà, gentiment. On est juste devant la baraque. Pour l'instant, je bouche ici. Et puis, pour le début, on sera bien. Ah oui, mais avec la glace, le plafond, il faudra le faire plus haut, bien sûr. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Déjà, si on peut circuler sur deux de large, ça sera déjà bien. Donc, on va faire ça partout. C'est juste pour pouvoir sauter. Loupé. Faut pas que je fasse trop le cacou. Allez, on coupe ça. C'est parce qu'il y en a pas beaucoup, donc je me permets de le faire comme ça. Sinon, j'aurais été chercher là-haut. La roue. Toujours un petit peu flippé ce genre de truc. Alors là par contre faut que je fasse attention parce que là il peut y en avoir des bestiaux. Et donc on va casser l'arche ici. Je suis bien dans le couloir. Ouais. Alors, on va pas trop vite. Ou en fait j'en ai pris mais j'étais pas obligé. Bon c'est pas grave. Ça bouge, hein. Ouh, c'est dangereux ça. Ça va où ça? Okay. Ah, crotte, ça remonte encore. Ah, mais faut pas que ça monte là. Zut. Ah, zut. Bon, au pire, je ferai un arrêt. C'est embêtant de faire un arrêt en bateau. À quoi qu'on peut faire monter un bateau avec des trucs verts. Je crois. Coucou le corbloc. Coucou à ceux qui sont arrivés. Ah, je crois qu'un bateau, s'il y a des trucs verts, on peut le faire monter, je ne sais plus comment. Je me rappelle plus comment. Bon, je verrai ça avec les personnes concernées. Parce que de toute façon, le pont, est-ce qu'il est long le pont? Ouais, non, ça m'obligerait à recouper encore un coup, ça sera embêtant. Ouais. On va faire ça comme ça va aller. Ça va le faire. Hop. Et donc là. Voilà. On va faire une barrière spéciale anti-cochon. Sinon, on n'aime pas trop ces bestiaux-là. Trop dangereux. Trop dangereux. Ok. Bon, c'est là qu'il faut faire gaffe. J'ai ma potion pas loin. Oh, normalement, ça devrait aller. C'est marrant, quand je vais vite, ça va. Et puis quand je vais doucement, j'ai toujours une petite appréhension. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. Hardcore, on n'est jamais à l'abri de rien. J'aurais bien fait un petit rebord en plus, tu vois. Un petit rebord sans pépère. En plus, j'ai fait ça avec des blocs facilement cassables. Bon, c'est pas drôle. Ah. Sinon, il n'y a pas de risque. C'est pas marrant. Je te jure. Salut Rafnad.
Total confiance dans la touche Shift, tu m'étonnes. Faut dire, si tu vois mon petit doigt, je veux dire, il est bien. J'appuie, hein. Je fais pas semblant. Je te garantis, hein. Enfin, ça, là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Bon, là, c'est moins dangereux, hein, quand même, mais. Enfin, c'est moins dangereux, c'est moins dangereux. On n'a rien hein, pour faire. Ah bah si, à part mettre des boutons pour pas que ça spawn dessus. En plus, un bloc de bois, il y a un bouton. C'est tellement honteux. Je trouve qu'un bloc de bois, il devrait te donner au moins 5 boutons, quoi, minimum, quoi, minimum. Vous imaginez un menuisier dans. Combien. Un menuisier dans un mètre cube de bois, combien est-ce qu'il peut tailler de boutons normalement? Sérieux, quoi. Ils font peur, hein, les bétails. Hein. On croirait boîte. Coucou, Mandrin. Ah, merci, Mandrin, pour tes 100 bits, c'est super gentil. Et merci pour les follow. Eh, on est bientôt 60 000. On est bientôt 60 000 followers sur le. Là, sur Twitch. C'est bien. Je comprends. C'est bien, 60 000. On va bientôt monter, puis après. Enfin voilà quoi. Bon. En 5 ans? Ouais. Oh, purée. Quand je me rappelle avec YouTube, j'étais monté trop vite avec YouTube, c'était tellement abusé. C'était abusé. Purée. Bon, ça s'était calmé après. Hein. Oh purée. Pierre, il était mort de rire parce que je disais « Mais arrêtez de vous abonner à ma chaîne, purée, j'ai pas encore fait de vidéo !» Ouais, je suis pas qualifié. Dis donc, avec 10 ans de Minecraft, j'estime que je suis quand même qualifié. Hein. Quand même. Nom de Zeus. Ah, plus de 10 ans d'ailleurs de Minecraft. Ça fait plus de 10 ans hein, que je joue. Purée. Quelqu'un, je pense que je peux toujours passer là en bas si jamais on va tester. Ouais, ça passe très bien. Alors, il y en a du verre là-dedans. Hein. Bon, hop, non, mais oh, je peux pas sauter là. Pourquoi il veut pas que je saute? Ah, ça y est, bizarre. Allez, on finit juste le couloir jusqu'à. Seulement jusqu'à la mangrove. Hein. Et puis ça fera bien l'affaire. Voilà. Bon, lui, il fallait faire gaffe à pas lui en mettre une. C'est toujours embêtant. Quand c'est involontaire. Oh, j'ai toujours peur. Ah, tiens, ça c'est bien. On a toujours besoin de quartz. À moi. Sinon, super, il y en a beaucoup. Tant mieux. Nice. Eh, 26 blocs de quartz. Allô? Bon, après, recuit, machin, remis par 4 et tout, ça fait pas beaucoup, mais c'est quand même bien. Sur un seul filon. Allez, on voit le bout du tunnel, les amis. Yes, j'ai envie de dire. Ok, super. Là, il est déjà en double, donc c'est parfait. Voilà. Et ben voilà, ben ça, c'est bien. Allez.
Coucou à Casselini, bonsoir à toi. Tu m'as MP Discord pour les biomes dans lesquels il faut faire grandir les têtards pour obtenir les différentes couleurs de grenouilles. Ah super, merci. Vanon est pas qualifié. Oh purée. Tu te prends pour Macron quoi ça? Non, non, faut pas que j'ai dit que je faisais jamais de politique. Alors, on dira rien. Salut Gadjok. As-tu déjà essayé de jouer en Quake Pro pour avoir une meilleure vision de ce qui t'entoure? Non. C'est là où t'as le FOV super large là. Ah, j'ai trop du mal avec ça. Si c'est ça, hein, si c'est avec le FOV ultra large, ça fait mal aux yeux et à la tête. Et je suis pas fan. En vrai, je suis pas fan. Alors, oui, j'ai. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, faut s'y habituer, mais. Voilà. Je suis pas très fan. Donc, la question, si c'est oui, j'ai déjà essayé. Et la réponse, c'est non, je suis pas très fan. Ah, vous voyez, bah, deux de large, hein, tout de suite. Ah, on se sent moins oppressé, quand même. Bon, je vais quand même garder ma potion sur moi, mais. On se sent beaucoup moins oppressé. Donc après, il n'y aura plus qu'à faire un joli petit couloir bien propre, un peu de glace par-dessus, un petit bateau et en avant Guingamp. Non, pour des aventures qui durent, ça vaut le coup. C'est vrai qu'en hardcore, en général, je m'embête pas trop à faire des chemins super machin décorés et tout, parce que tu te dis, des fois, tu vas passer 20 heures à faire un couloir qui va pas forcément te servir beaucoup. Que là, c'est quand même des aventures où j'arrive à durer de très 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 longtemps. Hein. Une fois que j'ai passé le début, après ça va. Je suis quand même quelqu'un qui est très prudent. Et qui a aussi l'habitude du jeu, ça joue bien sûr, mais voilà. Ah ouais, quand tu joues à beaucoup avec. Ouais, si tu joues à pas mal de FPS. Et encore, ça dépend des FPS. Qu'il y a des FPS où c'est pas si large que là le FOV sur Minecraft il est quand même assez c'est comme les avis, on a chacun le sien. Je suis parti, ça va, ça passe nickel. Alors hop, oui, si, il y a un truc que je voulais aussi les amis, charbon. Je crois que j'en ai pas en haut du charbon, j'ai tout mis là-dedans. Attends, on va en prendre que ça. Façon fortune, je vais en prendre que 8, puisque si je veux faire des torches, j'en ai besoin pas de tant que ça. Et à la fortune, on va en avoir suffisamment. Faudra qu'on se fasse un live déco aussi, hein, je l'ai dit, hein, mais on le fera, on le fera, on le fera, on le fera. Alors, ah, t'as fait exprès, d'accord. Coquinou, coquinou. Alors du coup, là, tout ça, on remplit. Ça, c'est rempli. Le coffre d'en dessous, on remplit. Et pourquoi il marche pas là? Ah, quand même! Il touche de raccourci là. Il les aura que ça, on remplit. Bim! Ok. Donc là, j'ai 10 vernaiseurs, donc tout ça. Voilà. Sauf que ça, oui, c'est du nether, mais c'est aussi du bois. Du bois, bois, bois. Attends. J'ai un truc, des blocs. Ah, si, c'est bien. Faut que je les mette groupir, ces trucs-là. Ah, c'est bien. Dans le quartz, on va mettre ça. Ça, on va le péter après. Crimson. Hop, comme ça c'est rangé, c'est bien, c'est propre. Ok, pourquoi j'ai de la nether? Ah oui, c'est normal. Donc la nether brick, ça c'est très 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 bien. Parce que pour faire des barrières, c'est quand même pas mal. Et enfin les amis, il nous faut des petits bâtonnets. Ici. 1, 2, j'en veux que 16. Hop. On va se prendre ça, ça, ça. On va mettre. Pouette, 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 pouette. Tout le temps. Très, très bien.
fortune. Voilà, parfait. Pardon. Je suis censé en avoir 2,5 fois avec la fortune 3. Et pour 8 blocs, il m'en a donné que 14. J'ai juste pas de bol. On sait pas quoi, et ben tant pis. T'es spammé de bienvenue sur le chat? Ah, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, hein? Étrange. Ok. Ça, c'est bon. Et c'est parti. Ah, crotte, j'ai plus de... je vais aller m'en chercher un. Je vous mets une petite vue comme ça. Non, parce que je fais échappe. Normalement, là, il n'y a rien qui m'atteint. Hein. Normalement. Hein. J'arrive tout de suite, il est déjà chaud. Je me dépêche. Ça irait vite. Les ressorcières. Voilà. Purée.
Oh, je rigole. Hein. Je suis arrivé dans la salle, enfin, à côté de la cuisine. Je suis là, parce que je suis obligé de me démerder tout seul. Je dis, oh, pardon, je suis, mais non, mais je rigole. Hein. Comme j'ai ma cousine à la maison pendant une semaine, et puis là, ils jouent, ils font des Scrabble et tout, ils n'arrêtent pas. Là, ils étaient barrés toute la journée à Beauvais pour faire des courses, enfin des courses. Des magasins. Salut les riders, c'est sympa de visiter les magasins. Allez, on va monter les tours. On va monter dans les tours. On va être bien vénère. Je remarque qu'on peut mettre. Ça n'empêche pas maintenant que j'en ai plein. Enfin plein. Pas plein. Un petit peu. Ok, ok, ok. Alors, bim. Bim, 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 bim. Là, j'en ai peut-être un peu trop quand même. Faut quand même pas pousser mémé. Où est-ce que je l'ai mis la mode ici? Donc, j'ai dit que ça, pas tout de suite. On la garde de côté. Je vais en mettre un petit peu ça aussi d'ailleurs. Ouais. La paquette mud. Hop, hop. C'est avec ça qu'on fait les breaks. Là, je vais prendre ça sur moi. Des escaliers, j'en aurais besoin, mais plus loin. De toute façon, j'ai plus mon stone cutter, si ça y est, je l'ai. Alors, pouette. Ok, ok, ok. Alors, donc, tout ça, c'est bien. Je suis en train de voir que ça, c'est bon. Oh, dis donc, ma pelle, elle commence à... Comment ça se fait que je l'ai usée à faire quoi? J'en sais rien. Pas les trucs là en bas là tant que j'y suis. F4, je suis en train de me demander si je vais pas les monter un peu plus les contreforts. Crotte, F4, vite, tiens, regardez, je touche à rien, hop, vous voyez, je rentre dans mon corps automatiquement dès qu'on se fait attaquer. Ça, c'est pratique, la free cam pour ça. Allez, asile, je demande asile. Alors ils sont là. Ils arrivent en piqué. Et l'autre, il m'a pris par derrière. Oh, les saligots, ouais. C'est honteux. Non mais oh. Non mais oh. C'est qui le papa, là? Vous êtes sérieux? Non mais... allez, les bouts de cerveau, on les met là. Ils lâchent leur cervelle, les trucs. Hein. Qu'est-ce que je demande à Zine? Non, c'est... En fait, tu demandes aux ecclésiastiques. Voilà, je demande asile en cette église. Voilà, protégez-moi. Tu vois. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans les visiteurs, à un moment, il y a... La lumière aussi, ça marche. Ouais. Asile, lumière. Bien, Vanders. Bien, 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 excellent. Excellent. Oh là là. On a la communauté qu'on mérite. Hein. Ah mais... C'est énorme. Je vous adore. Hein. Je vous adore, les amis. Allez, on fait un petit dodo. C'est ça, c'est le droit d'asile. Oui, je vais peut-être monter les contreforts un peu plus. Alors, F4, je regarde quand même. Là, je les ai fait monter jusqu'à là. Parce qu'on voit des contreforts sur les églises romanes. Je regarde, là, j'ai des exemples devant moi. Bon, après, tout dépend de l'épaisseur des murs, vous me direz. Mais là, ça serait pas bête de les monter au moins là, en fait. Au moins ici, quand même. Déjà, je les ai pas fait très gros. On va les monter un petit peu. Noir, c'est un peu violent, mais en fait, comme ça rappelle les couleurs du toit, en vrai, ça, enfin, en plus, c'est pas du noir, c'est du gris un peu foncé, c'est un peu anthracite, hein, comme gris. Mais en vrai, ça passe bien, ça passe plutôt pas mal, puis on en a à plusieurs endroits. Donc si je l'amène, admettons, on va dire là, attendez, je regarde, hein, ce que ça va donner, si je l'amène là. Hop, 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 hop.
On va arriver juste ici à ce niveau-là. Oh non, ça va être bien. Oh, ça va être bien. Allez, on le fait. Première des choses, et après on monte, nos tours. D'ailleurs, je suis tellement confiant que je vais garder ça sur moi. J'en ai plein. Non, ça c'est de la chaise. Tiens, polish. Polish. Je suis pas sûr d'en avoir assez de la polish d'Ipslet. Je vais m'en faire un tout petit peu. C'est rien d'en avoir de trop. C'est comme ça, je crois. Oh, incroyable. Voilà. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est la Kélos. Salut Marzana. Bienvenue. Alors, du coup, on va monter un tout petit peu, hein, j'ai dit, au niveau des hauteurs. Échafaudage. C'est bon, il me reste encore un petit peu. Bim, on va se mettre au milieu. Voilà, on va casser ça, on va casser ça, on va en rajouter one, two, et donc on vient jusqu'à ce niveau-là, j'ai dit one, two. Oui, mais par contre, ce qui est embêtant, voilà, je suis obligé avec les escaliers ici, 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 hop, hop. Voilà, F4, F3, pardon, hauteur, on est à combien là? On est à 121. Ok, c'est bien. Ok. Est-ce que ça fait bien ça? Attends, petit beefsteak. Hop, on regarde au niveau de la hauteur. Ouais, c'est pas mal, ça fait mieux. Oh, bien sûr, ça fait mieux. Bah, bien sûr. Allez, en plus ce qui est bien, c'est que ça va délimiter la tour. Donc c'est cool. Oh, pardon, hein, je vais mettre mon F3. 120 et du coup, escalier 121. F3. Paf. Et là, on est bien. Évidemment, la descente est un peu plus rude, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon. Attendez. En profiter, autant faire les deux en même temps. C'est bon, hein? Je pense qu'on est bon. Ouais, we are good, we are so good. Ok, je pourrais pas faire les deux, hein. C'est fini, oui. Bon, je vais remettre le F3, désolé pour ça, mais 121. Hop là. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça fait assez réaliste en plus, je trouve ça cool. Regardez, hein, tout... Non, c'est pas le F3, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Bon, allez, pas mal. Là, on est bien. Ça fait plus costaud, puis ça met un peu de couleur. Un peu de couleur dans ce monde de brut. Salut Ridounet et salut à ceux qui sont arrivés. Salut le Cogode. Non, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Ici, c'est pareil que là-haut. Oh, crotte. Attendez, il y a un truc qu'il faut absolument que je fasse maintenant parce que je viens de le voir et sinon je vais l'oublier. Les petites barrières en granit. Elle monte pas jusqu'en haut, c'est honteux. Ok. Voilà, faut que ça monte ici. C'est un détail, hein, mais bon, quand même. Ouais, non, si ça c'est bien. Tac, tac, tac. Y a quelqu'un? Ouais. C'est... Ok. Non, c'est bien. Je fais pas. Faut pas en rajouter de trop. Non, faut pas en rajouter de trop là. On est bien comme ça. C'est parfait. C'est pas mal. Burp, burp, burp. F3. Hop. Purée.
16, 17, 18, 19, 20. C'est ça? Ouais! Trop bien. Bon. Sinon, j'aurais pu compter combien il y en avait. C'était l'autre solution. Ouais, je pense qu'on est bon. Hop. Construit pas sur du sable, hein. Merci Sir Sam pour ton sub pour ton 42e mois sans pépère. Merci beaucoup Sir Sam, je te fais des gros bisous. Merci pour ton soutien, cher ami, camarade. Très très gentil. Ah, j'en ai mis une de trop. J'espère que tout va bien. Coucou Anaïs. Miss presque jeune achète 2023. Bon, ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent comprendre, mais. 821, on est bon. Oui, presque. Mais c'est bien déjà d'avoir été sélectionné pour faire. Ah. Ouais, ça va bien, ça va bien. J'espère que toi aussi. Que la vie est belle et tout ça et tout ça. Oh. Ouais, c'est sympa. Et tu feras d'ailleurs et tu feras un gros bibi à tes parents en plus. Oh. Alors F4, on est bon là. Ouais, on est bon alors. On est vachement bon les amis. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. D'accord. C'est au mois de juin, hein, je crois. Hein. La fête Jeanne Hachette à Beauvais. D'accord. Très bien, c'est bien ça. Je suis même en train de me demander si là, pour la tour, je vais pas rajouter quand même des. Alors, peut-être pas de ce côté-là parce que ça ferait trop. Par contre, de ce côté-là, je rajouterais type pas des petites barrières. Moi, je vois. Bah, je vais faire tout. Je vais vraiment tout faire pour passer. Ça ferait pas abuser, ça. Petite barrière ici. Par contre, je demanderais pourquoi. Ouais, non, ça ferait trop. Non, c'est bien. Arrête avec ton F3, toi. F4, c'est pour revenir. Voilà. C'est bien. Mais par contre, là, pour passer... Ah, bah tiens, bah, bien sûr. Plutôt que de m'embêter... Plutôt que de passer ici. Ici. Oh, il y a des trop-trousses, là. Oh, c'est pas beau, chat. Oh, que c'est pas beau. Où est-ce qu'il y a de l'herbe qui sert à rien. Là. Voilà, très bien. Ça, c'est les Underman hein, qui saoulent, ça. C'est sûr. Ils ont bon dos. Ils ont bon dos, les Underman. Viens. C'est marrant. Autant, dans Minecraft, je pense bien à manger quand j'ai moins de cœur, etc., que dans Valheim, j'y pense pas toujours. Intérêt à faire attention. Alors, on va monter les tours, comme promis. Attendez, je regarde, hein. Est-ce que l'arrière, ça va être différent? Ouais. En fait, l'église, je la construis à l'envers de l'IRL. Vous savez que IRL, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent, surtout pour les cathédrales, hein, c'était vrai, surtout pour les cathédrales, ils construisaient très vite le chœur, pour une raison toute simple. Je ne sais pas s'il y en a qui savent pourquoi est-ce qu'on construisait le chœur en premier. Il y avait une raison, il y avait vraiment une raison. Ah, le beau gosse. Coucou mon tontin. Je sais pas s'il y en a qui savent pourquoi. Mais donc, les cathédrales, ils construisaient toujours le chœur en premier. Toujours le chœur d'abord. Et le reste après, justement. Je sais pas s'il y en a qui savent. Ah, pourquoi en premier, hein? Si on n'a plus de sous pour le reste, c'est pratique. Alors. C'est un bon début de réponse. Ça permettait de prier dedans avant la fête travaux. C'est une autre bonne réponse.
Et en fait, c'est un mélange des deux. Non, c'est pas une histoire de facilité. En fait, les cathédrales nécessitaient des fonds très très importants. Hein, vous en doutez, c'était pas gratuit. Et en fait, le fait de pouvoir célébrer la messe dans le cœur de l'église ou de la cathédrale dès le départ, eh ben, ça faisait venir les pèlerins. Ils pouvaient commencer à faire soit des foires, des trucs en fonction du seigneur du coin, en disant, mais voilà, on construit une cathédrale. Et du coup, ça pouvait ramener de l'argent donc à la communauté, hein, et du coup pouvoir continuer à construire le reste de la cathédrale. Voilà. Donc, ça avait deux avantages, effectivement. Le fait de pouvoir célébrer la messe très vite, hein, même si la cathédrale n'était pas terminée. Et deuxième aspect pratique, hein, de ramener des sous pour pouvoir construire le reste, hein, si jamais ils n'avaient pas tout l'argent dès le départ. Voilà. C'est intéressant, hein? C'est marrant, c'est marrant. Ah bah les pépettes, hein, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, tu construis pas. Par contre, je peux vous garantir que les gens, quand il y avait une cathédrale au Moyen Âge qui disait dans un coin, allez, on va construire une cathédrale, bah tous les gens, ils étaient contents, hein, parce que justement, ça nourrissait des tas de familles, des tas d'artisans qui venaient, etc. Enfin, c'était vraiment une manne, et tous les gens, ils étaient très 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 heureux, hein, s'il y avait soit une grande église ou une cathédrale ou. Hein, ou quelque chose qui se construisait dans la région, je peux vous dire que ça ramenait beaucoup de monde, beaucoup de choses, etc. Voilà. Les gens étaient très contents. Alors, du coup, des gros gros chantiers comme ça, hein, ça donnait. Parce que ce n'était pas des chantiers pour 3 mois. Hein. Ouais. La nef était libre de passage. Et avec le cœur qui était pour le fils. Absolument. C'est ça. On sent ceux qui ont les connaissances, les purs et les durs. Alors, les tours. Allez, les tours. Sauf que je vais avoir besoin de vitres. Alors, des vitres. On va s'en prendre un petit peu comme ça. Je vais avoir besoin de ça. J'en ai un petit peu. C'est pas mal. Je vais avoir besoin de. J'aime bien comment est-ce qu'on fait avec des blocs pleins comme ça, c'est bien. Ça fait joli. Donc du coup, on garde le concept, hein, puisque ça marche. Donc on va se prendre ça un stack direct. Bon, attendez. Il y en a la moitié, hein, qu'on peut d'ores et déjà transformer en granit poli. L'unitologie, c'est quoi ça, l'unitologie? Salut, Fix Short. Fix Short. Autant pour moi. J'ai dit merci à Circe à moi, ouais, c'est bon. Je veux pas savoir. Non, moi, je veux pas savoir. Non, mais ça, et puis tu peux pas aller en Afrique, virer tous les marabouts, les machins, les trucs, enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà. Si bout du fond le monde, faisons tous en sorte qu'il devienne beau et bon. Voilà. Merci, ami Fish Short, c'est très gentil. Alors, on en est. Donc ça c'est bon, on en est dans les tours. Alors montons dans les tours. D'ailleurs, j'avais fait des torches aussi pour cette partie-là. Parce que si jamais il fait trop nuit là-dedans. Alors attendez, je regarde où est-ce que je les ai mises. Désolé pour les tournicotos. Hein. Donc elles sont de ce côté-là. Les torches sont ici. Je vais les mettre plutôt par rapport à là. On va les mettre là, comme ça. Comme ça. Allez, comme ça, c'est bien. Hop, hop, hop. Là, c'est bien là. Oh ouais, c'est super bien. Oh, on est bien là, les amis. On est trop bien. Pouette, voilà. Alors montons les tours. Montons les tours. Alors déjà, il y a une fenêtre supplémentaire ici. Et j'ai dit qu'il fallait qu'elle monte. Je vais vous dire jusqu'où. Je dis jusqu'à là. Jusqu'à ici en fait. Hein. Qu'on soit là au même level que là. Ouais, c'est bien ça. Donc du coup. On va se faire ça comme ça.
Et toutes les virgules. Bisous, sorcière. C'est le cas de la cathédrale Saint-Just. Et Saint-Pasteur de Narbonne, elle est inachevée et n'a que le cœur de terminer. Oh, il y en a pas mal. Hein, c'est autorisé, les discours anticléricaux ici. C'est pas vraiment anticlérical. Mais bon, Sir Sam, tu me connais. Si c'était vraiment anticlérical. Voilà quoi. Voilà. Donc, bon repos. C'est quoi comme bloc? Alors, ça, c'est le nouveau bloc. Un des nouveaux blocs de Minecraft. C'est de la mud brick. En fait, c'est de la boue séchée. Que tu assembles par 4. Et donc, c'est de la boue. Tu peux en faire avec de la dirt et des fioles d'eau. Ou alors les trouver dans les biomes mangroves. Les biomes mangroves. Attends. Bon, enfin, bon, bref, dans les biomes mangroves. Où t'as de la mangrove. Et donc, en les mélangeant avec de la paille, ça te donne un bloc de boue que tu assembles par 4 et ça te donne de la mud brick. Ouais, je trouve très très chouette. Et mélangé avec plein d'autres blocs, genre par exemple, mélangé avec tous ces blocs-là, ça passe vraiment super bien. Au niveau des couleurs, on arrive à faire des trucs assez chouettes. Ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien. Ils sont rares ces biomes. Ils sont pas faciles à trouver quand même, Al. Et moi j'ai mis du temps hein, avant de trouver le biome. Tu te rappelles, j'avais fait un sacré périple avant de le trouver. Ou alors j'ai peut-être pas eu de bol, mais je sais pas, je connais pas les stats. Coucou Lynn. Je connais pas les stats en fait de. Comment dire, de rareté de ces blocs-là. Attendez, par contre, je veux voir un truc. Elle n'est pas trop grande cette fenêtre là. Non, parce qu'il va y avoir le truc au milieu, il va y avoir machin. Et donc du coup, en dessous, j'ai combien de blocs? J'ai 1, 2, 3, j'en ai 4. Bon bah dis donc, je crois que. Attendez, je crois qu'on va être bien en plus. Si on fait 1, 2, 3, 4. Oh, on va être super bien. 1, 2, 3, 4. C'est bien d'avoir quand même des fenêtres qui soient quand même de la même dimension. Voilà. Ça et ça ici. Ouais, non, ça c'est bon. Ouais, comme ça c'est bien. Allez, on va monter ça. Bonjour, attention. Hein. Non, je m'embête. Hein. Tous les trucs à l'intérieur. Hein. Mais bon, allez, si on fait de l'architecture, on la fait bien. Quand même. Ça serait honteux. Ouais, non, c'est des blocs, on les voit pas, je les mets pas. Ouais, mais moi, je le sais. Donc, si je le sais, je les mets. D'ailleurs, on va pouvoir monter de 3 en 3, c'est mieux. 1, 2 et 3. Salut, Monster Dra. Ça va, mon Aska? Ah, ça fait plaisir. Enfin, heureux, puisque... En fait, je suis resté assez longtemps en vocal. J'avais le live de Alps dans l'oreille droite. Donc, pendant ce que j'ai construit sur la map tout à l'heure, donc en même temps, j'avais le live de Alp, donc j'entendais tout. Ah. Tranquille, ouais, ça va bien. Eh ben, j'ai envie de te dire, avec Aurélien, on était ensemble, déjà, on jouait ensemble à Minecraft il y a 10 ans. Hein. Oui, oh oui, purée, on est en 2023, les amis. Il y a plus de 10 ans qu'on jouait déjà ensemble dans la team Event Time. Oh, purée. C'était hier. De combien je l'ai fait monter? J'ai une fenêtre là, je vais avoir une fenêtre au-dessus du toit. Ah bah tiens, il y a une fenêtre... Ah non, elle va être trop proche de celle-là. Attendez, F4. J'ai combien d'espace là entre les deux là? On va peut-être pas trop abuser sur les tours.
Faut pas qu'on abuse de trop. Je pense que là, j'ai laissé un bloc. Donc on va monter deux blocs, on va mettre une barrière et on va remettre une fenêtre. On va faire comme ça. Attendez, je vais être sûr que ça soit logique, hein. Donc là, j'ai un bloc au-dessus, deux blocs au-dessus, et comme ça, on va mettre les trucs par-dessus. Ok, on va faire comme ça. Hop. Et après, on va pouvoir faire les ouvertures plus importantes. Quoi, je vais en faire plusieurs des fenêtres du coup. Attendez, je regarde sur les exemples que j'ai devant les yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Oh, ils ont fait pas mal d'ouvertures. Par contre, ils ont bouché, je sais pas pourquoi. Peut-être trop passé maintenant, au contraire, ça fait moins de prise de vent. Ou alors je fais plus fin, des trucs plus fins. Ouais, on va voir. On va faire plus fin. Je vais voir si ça passe. Combien j'ai monté là? Bah, j'aurais pu monter deux direct. Quand tu me diras comme ça va, c'est vite. Donc là, on va remettre à partir de là des escaliers dessus, comme on a fait tout à l'heure. Hop, et on va attaquer les dernières fenêtres. Voilà, on va attaquer les dernières fenêtres. J'ai bien fait d'aller en chercher de la mode, dis donc. On en consomme. Hein. Hop là. Coucou Zico. Ah, il y en a qui me suivent depuis longtemps, hein, qui étaient tout jeunes. Et... Je reçois des MP hein, des fois. Oh, je te regardais, j'avais 10 ans ou j'avais 12 ans. Maintenant, j'en ai 24. Ouais. Bon, c'est bien. Ça fait plaisir déjà. Déjà de se dire que. Bon, on a tenu quand même un certain temps, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais. Ça fait plaisir. De pouvoir survivre entre guillemets de sa passion, c'est déjà une chance incroyable. Non, j'ai pas besoin. Mais en même temps, on a tout fait pour. Hein. Mais bon, quand même, c'est cool. Alors, est-ce que je remets deux fenêtres et je refais un étage au-dessus? Là, j'arrive là par rapport au toit. C'est bien. Je pense que je vais remonter. J'ai 4, 5. Donc, c'est au sixième que ça monte. Attendez, je regarde. Hein, pour pas que ça fasse bizarre. 2, 2. Faut pas que ça fasse abuser. Que je regarde ou alors je fais des trucs genre pour les cloches. Alors je laisse ouvert. Là il va y avoir des carreaux aussi. Sinon sur pourceau de dessus, je suis pas obligé de. Je peux mettre juste les cloches dedans. Ce qui est pas bête. Ah, si sur le toit c'est pas sécurisé Minecraft. Mais si c'est bien. Ça va le Laurent? Tout va bien, tout va bien. Bon, on est dans Minecraft. Attendez, je regarde. Au niveau dimension, tout ça. Là, je vais pas en mettre une tout de suite. Je vais en mettre une autre là. Allez, on se fait plaisir. On est là pour. On est des dingues. On est des fous. On est des fous. Et la flèche après, elle montera encore plus haut l'autre. Hein. Faut pas quand même. Mais par contre, le toit, c'est le toit qui sera ultra super pentu. En fait, il y a plusieurs choix. Hein, pour le toit de la flèche qui sera derrière. Il y aura plusieurs choix. Donc du
coup, j'ai dit que je faisais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, j'ai pas de fenêtre de ce côté-là, donc je refais encore une ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, pas derrière. Voilà, faut quand même pas exagérer. C'est des églises romanes, hein. C'est pas, on n'est pas dans le gothique là, avec des grandes ouvertures de partout. Hein. Faut quand même pas pousser les nez. Donc ici, on va monter de. Alors je vais avoir le bloc là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour le truc et 6 pour le binou. Ok. Ça, je vais avoir ça. Et ça. Parfait. Ça c'est bon. Par ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le sixième, pour la petite partie qui sera ici. Paf, paf, paf et paf. We are not bad. We are not bad. Là par contre, je suis en train de voir techniquement. Je suis censé avoir un deuxième truc ou pas. Là on va remettre les carreaux. J'en ai des carreaux, ouais, je les avais pris. J'ai bien fait. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Donc là ce que si on va faire, hop, hop. Pas là. Là oui, là oui. Donc on va mettre les bleus. Bleus. Comme ça. Là ça se voit, ça se voit. Donc le rouge, rouge. Ok, et un bleu ici. Là j'ai pas de fenêtre, donc au-dessus je vais avoir une autre fenêtre. Je suis en train de réfléchir. J'ai du blanc sur moi dans crotte. J'en ai pas. Ah là là. Ça on sait que ça va monter. Hein. Par contre ici je ferais bien un étage quand même. Je ferais quand même bien peut-être un étage parce que sinon ça va faire beaucoup. Après, on peut commencer à faire des étages en bois. C'est pas obligé de. Parce que ça. En pierre, ça va faire beaucoup. Je vais peut-être faire un étage en bois. Ça sera bien RP en plus. Juste à cet endroit-là, là. Juste ici. Alors, on va peut-être pas commencer à faire trop les bébêtes là. On va descendre par étapes. On va éviter d'avoir trop mal aux pieds. Le choix de toi, le choix du roi. Tac. Ok. On va faire simple. Hein. On va pas s'enquiquiner. J'aurais préféré. Oui, Spruce, c'est plus. Par contre, j'en ai pas tant que ça. Ah, mais non, ça marche pas dans le Stonecutter, crotte. Ah, c'est pareil, il en donne 6 quand même. Ça va. On est sauvé. Bon, d'ailleurs, allez. On est des fous. Je vais juste faire les bords un peu plus larges. Et puis, ça ira bien. Ça fera un petit peu moins de tournée coteau. Hein. Hop. Donc on va monter gentiment ici. Il va falloir le coup. Hein. Ah oui, mais je peux pas. J'ai pas fini. Hop. Donc le plafond, on a dit qu'on le mettait juste là. Juste là. Juste un bridou. Ah oui, de toute façon, ça va monter jusqu'au dernier étage. Ah mais oui, ça monte jusqu'à là. Est-ce que je mets des blocs pleins Combien j'en ai des blocs? Ouais, c'est du sapin. Et on va pas faire les feignants. Voilà, on met un bloc plein comme ça. Ici. Et tout le reste. Ici et tout le reste on le fait en dallonnette.
enfin donner une petite forme, ça ferait sympa, non, pas celle-là. Hop. Dalle, ouais, c'est ça. Ok, alors n'oublie pas, très important. Où est-ce que je les mets? Plutôt là, ça fait plus central. Ouais, c'est pas mal. On est bien comme ça. Ok. Donc, du coup, on va monter tout ça. J'ai mis des. Ouais, c'est bien. Très important qu'on n'oublie pas les torches. Ok. Donc, ici nous avons, chers amis, tac, tac, tac. Et tac. Ça, ça. Hop, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, incroyable. Ok, donc là on est bon. Et les petits carreaux. C'est sur l'étage du dessus, je vais pas les mettre. On va pas faire de carreaux, vous allez voir. On va garder ce genre de décor là, mais partout. On va mettre double, 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 double de partout. Et on finira avec un toit. Je pense que ça sera pas mal. Alors là, par contre, il m'en faut. Donc ici et ici. Voilà, donc j'ai 23, 23, peu importe. Ça, c'est nice. Même de l'autre côté. Quoique pour équilibrer, j'aurais dû faire de l'autre côté, l'autre couleur. Mais parce que j'ai une couleur de plus en haut, bien sûr. Ok. Alors les rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bim, bim. Et bien sûr, la dernière rouge, comme ça, voilà, c'est équilibré, on est content, oh, qu'est-ce qu'on est content. Voilà, c'est good, c'est good, c'est good. Et même, si je voulais être totalement legit, hein, je devrais même presque entourer les vitres. Mais bon, écoutez, là, on est bien, on ne voit pas, grâce aux barrières, là, on ne voit pas sur les côtés, tout. Voilà. Imagine, oh, Louis, c'est ton père, le rêve. Il y en a plein hein, qui m'ont dit ça, ou alors... que je sois leur professeur ou des trucs comme ça. Mais bon, apparemment, tout le monde pense pas comme toi, Oxios, parce que on avait fait une demande pour s'occuper d'enfants à un moment donc qui avaient des soucis et donc pour être assistants familiaux, en fait, hein, et donc tu as des enfants chez toi pendant bah, jusqu'à ce que leurs vrais parents... soit sort de prison, soit voilà quoi, sans s'occuper des enfants, où il y en a certains qui sont juste leurs parents sont décédés ou quoi. Et en fait, on a passé tous les examens et tout, et en fait, ils nous ont refusé parce qu'ils nous ont dit qu'on aimait trop les enfants et que ils croyaient qu'on pensait qu'on était dans un monde de bisounours. Je vous jure, c'est ça qu'ils nous ont dit. Hein. Alors qu'en fait, c'est une petite jeune hein, qui avait même pas d'enfant qui nous a jugés. Genre 25 ans, elle sortait de l'école. Hein, comment dire Donc elle avait jamais élevé d'enfant ou quoi, mais elle a jugé que nous, on n'était pas capable d'élever des enfants, alors qu'on a deux filles qui ont réussi dans la vie et tout. Mais enfin, c'était, je peux vous dire, on avait les bollocks, hein. C'est dommage qu'en plus, ils l'envoient par courrier, hein, jamais ils te le disent devant toi. Hein, parce que moi, je leur ai dit, mais vous savez qu'on est très conscient qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Et c'est justement pour ça qu'on est positif. C'est justement parce que bah, les enfants, ils ont besoin de points de repère. Ils ont besoin d'avoir du positif dans leur vie. Et on n'a pas besoin de les coller devant BFM TV et de leur pourrir l'existence. Mais on n'a pas pu leur dire. On était trop positifs et on aimait trop les enfants pour pouvoir en adopter.
Enfin, en adopter, c'est pas vraiment les adopter, c'est être assistants familiaux. Alors que bon, on connaît des gens qui sont assistants familiaux pas loin de chez nous dans notre village, et je peux vous dire, je dis pas que c'est des cassos, mais en fait, ils font trimer leurs gosses dans la ferme et tout, mais enfin, ils ont pris des enfants pour les faire bosser en fait. Alors ils ont eu, et puis nous, non. Alors je peux vous dire, oui, je suis d'accord. Je sais bien qu'il faut pas trop s'attacher et tout, mais bon, quand tu vois les enfants ce qu'ils traversent et tout, je pense qu'ils ont quand même besoin d'un minimum, quand même d'affection, de machin, etc. Enfin bon, je sais pas. Bah, pour moi, c'est on marche sur la. Si on apprend aux gens à pas aimer son prochain, mais où est-ce qu'on va, quoi? C'est dramatique. Bon, enfin bon, c'est. Voilà. Parce qu'on parlait de ça, hein, donc du coup, je décharge un truc que j'ai. Surtout que ça m'énerve. Parce que un autre truc aussi que j'aurais voulu leur dire à les bonnes femmes qui nous jugeaient, c'est ben, si vous pensez que les enfants sont plus heureux dans un orphelinat qu'avec nous, ben, je vous dis c'est quand même triste. Donc voilà. Bien sûr qu'ils ont besoin d'amour. Enfin, moi ça me dépasse, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Mais c'est pas grave. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans ma tête, je me dis, bon, c'était peut-être mieux comme ça. Peut-être qu'on serait tombé sur un gamin qui nous aurait tués ou quoi. On ne sait pas hein, dans la vie ce que la vie te réserve ou des gosses perturbés. Et puis, on ne sait pas. Hein, mais quand même, on l'a eu bien en travers. On l'a eu bien en travers ce coup-là. Surtout que nous, c'était vraiment. En fait, parce que le pire, c'est que à l'arrêt de bus, qui est juste à côté de chez nous, il y a des grands panneaux. Devenez assistant maternel. Devenez assistant familial, parce qu'ils en recherchent. Et en plus, la bonne femme, la jeune qui sortait de l'école, enfin, pas tout à fait presque, hein, mais elle se vantait que justement, elle en sélectionnait très peu et qu'elle en envoyait bouler plein. Elle dit si j'ai le moindre doute, tout ça sera non, etc. C'est le genre de petite bonne femme, dès qu'on lui donne un petit peu de pouvoir. Enfin bon, no comment. Ils en peuvent plus, quoi. C'est triste. C'est comme ça. Voilà, ceci étant dit, revenons à nos cubes. Ah là là. C'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ok, donc là on a notre truc de plus. Si je suis juste en train de me demander ce que je vais lui rajouter. Ouais, ça faisait bien avec les petits escaliers comme ça. Ça donne un petit machin. Donc du coup, il faut que j'en rajoute une couche. Culotte, bien sûr. Et après, on se termine la tour avec le truc. Donc une couche. Regardez, regardez, regardez. Alors, Boubours. Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens, toi? Ah oui, il est passé par le toit. Oh, le coquinou. Oh, le coquinou. Donc, on en remet deux, du coup. Attendez, F4. On en remet deux, hein. C'est un au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, deux. On en remet deux. Comme ça. Un, deux. Et après, re-escalier. Et dernier étage. Ah oui, je sais bien. Hein. J'en suis bien conscient. Bon, je vais pas te raconter toute ma vie ou de nos torts, mais j'en ai. En fait, on en a eu cueilli à la maison, mais d'une autre manière. Donc, on sait très très bien ce que c'est, ce qu'ils ont traversé des épreuves de fou. Et justement. Justement, quoi. Ils ont besoin quand même d'attention, etc. Et ils auraient quand même été bien mieux avec des familles qui m'aiment. Se mettre à les aimer, même si c'est pas bien. Plutôt que des gens qui sont froids, lointains, et puis. Enfin, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Non, non, j'ai pas fait de blague. Non, non, j'ai pas fait de blague, bien sûr. Hein? Oh! Pourquoi tu voulais pas venir? Barbichette! Enfin bon,
Ceci est un autre sujet, mais il y a des trucs quand même en France qui vont pas. Si on prend un autre truc qui n'a rien à voir du tout, j'ai vu il n'y a pas longtemps à la télé, où il disait, voilà, par exemple, il cherche 200 000, non pas 200 000, je ne sais plus combien, enfin il cherche énormément de chauffeurs de bus et tout ça. Et bien il y a des gens, ils ont le permis, ils ont passé leur permis. Et ben par exemple en Bretagne, il faut attendre presque 70 jours pour avoir le papier pour qu'ils puissent conduire. Du coup, il y a des chauffeurs qui pouvaient pas, enfin des gens qui ont eu leur permis poids lourd et machin transport, qui pouvaient pas se permettre d'attendre 3 mois d'avoir leur papier pour pouvoir bosser. Bah, du coup, ils ont trouvé un autre boulot ailleurs, etc. Alors qu'en fait, ils étaient embauchés dans des sociétés de bus, quoi. C'est abusé, quoi. Tu te dis, il y a quand même des soucis, ne serait-ce qu'au niveau de l'administration. Alors, est-ce qu'il manque de moyens? Est-ce que quoi? Est-ce que j'en sais rien? Mais c'est quand même. Y a quand même des trucs qui sont incroyables, quoi, en France. Tu te dis, mais c'est fou, quoi. Ah là là. Ouais, Lynn, bah nous, on a dans l'exemple. Hein. On a l'exemple dans notre village où. Voilà. Où il y a une famille qui a recueilli, en plus ils sont 3 enfants. Y a une famille, ils sont 3 enfants et comment dire, ils sont complètement exploités pour bosser dans la ferme, quoi. Genre à 10 ans, quoi. Enfin, je suis pas en train de parler d'adolescents de 18 ans ou de 17 ans, tu vois. Ah là là. Mais bien sûr qu'il faut de la bienveillance. Évidemment. Ok, notamment. Ah là là. Bah en fait, je sais pas si on peut le dénoncer, puis c'est pas notre but, mais on a été tellement deg qu'on a vraiment claqué la porte mentalement. Mentalement, tu vois, on a dit ok, allez. On arrête de s'inquiéter pour les enfants qui ont des soucis. Ça partait vraiment d'un sentiment vraiment comme ça au départ. Vraiment, ça partait de là. Et puis, parce qu'on a des amis qui l'ont fait. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'eux aussi, ils ont été refusés, sauf qu'eux, ils ont fait appel. Et vu qu'ils en ont plein, en fait, il n'y a pas que l'organisme national. Hein, il y a d'autres organismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, du coup, vu qu'il en manque, si tu réclames en disant, mais si, je veux le faire, même si tu es refusé, bah, en fait, tu peux être accepté par d'autres voies. Que nous, on a dit, attends, nous, ils ne nous acceptent pas. Eh ben, allez vous faire voir, tant pis. Voilà. Tellement on a eu les boules sur le coup, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça, exactement, Lynn. Donc, je pense qu'on aurait pu le dénoncer. Et ça aurait pu aller loin, mais on n'avait vraiment pas envie de. On a été dégoûté, donc on a mentalement fermé la porte et on a dit, ok, on passe à autre chose, et puis tant pis. Voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Pour nous, c'est pas grave. Pour les enfants, si. Mais bon, c'est triste. Mais c'est comme ça. Ouais, Voilà. En fait, ce que je comprends pas, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à la limite, il faut que ça soit des gens qui ont été parents, qui puissent rendre des jugements. Mais de là, de quelqu'un qui sort un peu de l'école, tu vois, qui a aucune expérience à ce niveau-là, ou pas tellement, et tu vois, ça me paraît complètement dingue. Hein, mais bon, enfin bon, c'est pas grave. Pouette, allez, pouette, et puis c'est tout. Ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Pouette, pouette. Allez, on monte à. Oui, c'était de la mode qu'il fallait, mais bien sûr, c'est ça qu'on voulait, nous. Faut garder le sourire malgré tout. F4. Oh, ça va faire des belles toutours, ça. Hein. Mais on est en plein dans les églises romanes. Hein. On est en plein dedans. Hein. J'espère que ça va pas faire démesuré. Bon, on va tester. Hein. On va tester sur une tour. Je pense que ça va aller. Est-ce que je prends tout de suite. Attends, il y a des blocs que je vais ranger de suite. Ou alors je fais pas des toits trop abusés. Je vais pas faire des toits trop abusés.
On va faire des petits toits d'église romane gentillet qu'on va monter peut-être juste de deux en deux et puis c'est tout. Voilà. 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 Donc du coup, j'en ai pas pris beaucoup moi de la mode. Comment tu fais quand? On en a posé pas mal peut-être aussi. Ouais, j'ai encore ça. J'en ai encore là-bas, on en a encore plein. On va prendre du blanc, du rouge et du saucisson, bien sûr. Et on va prendre ça et on va prendre des escaliers. Il en faut quand même pas mal. On va se refaire un chopper. Un petit peu, pardon. Hop, hop, et hop. Et voilà. Très bien. Et ça y est, il pleut. Catastrophe. Catastrophe. Ah. Ouais, il y en a des histoires de dingue comme ça sur Sam. Des trucs qui sont complètement abusés, quoi. Excel ou. Il y a, en fait, il y a certaines personnes, dès que tu leur donnes un peu de pouvoir, ça finit soit en harcèlement, soit. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, de toute façon. Hein. Sans d'autres trucs comme ça. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, là, ça va être le dernier étage. Donc, on va s'arrêter, j'irai juste là. Voilà. Pour le tournicoteau. Au moins pour le tournicoteau, déjà. Surtout qu'en plus, il y a des blocs, j'étais même pas obligé de les mettre. C'est pas grave. Ceux qui sont en coin, ceux qui sont là, je suis pas obligé de les mettre. En plus, ça ferait peut-être joli de ne pas les mettre partout. Là, de changer un petit peu comme ça. Là, par contre, faut que je puisse monter. Oh, pas mal. Eh, pas mal. Eh, dis donc, eh, pas fait exprès. Si, tout est calculé. Par contre, faut que je mette un truc. Ici, tiens, on va mettre une petite barrière pour faire un aspect un peu terminé. Voilà, c'est bien. C'est bien. J'ai de la lumière partout. Ouais. Il faut 15 blocs un maximum. Donc là, on est easy, easy peasy, les amis. Allez, bam. Hop, 1, 2, 3. Ça fait un aspect un peu fini, c'est bien. Ah, dis donc, heureusement que j'ai fait ça en mode et pas en quartz, hein. Si on n'avait pas fini. Hein. Parce qu'avant d'avoir tout le quartz qu'on voulait, bon là, il aurait fallu faire des trucs avec des PNJ, hein, ça, j'aurais pas eu le choix. Mais du quartz, on a déjà formé déjà un sacré paquet. Ok. Par contre, oh, non, c'est pas grave que j'arrive là. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que là, en fait, c'est le parquet final. Éventuellement, on va boucher. On va boucher. Attendez, il faut que je fasse ici. Qu'on mette l'escalier et qu'on fasse l'étage de fin. Étage de fin à cet endroit-là. Et ça peut bien. Ok. Bon après, faut. Bah, de toute façon, là ici, ça sera pas gênant puisque j'aurai les ouvertures. Donc ça sera très bien. Alors, rue escalier. Bim, j'en aurais passé. Il faudra qu'on en recrafte un peu. On va déjà poser ce qu'on a sur nous. Ce sera déjà bien. Moi, j'ai lancé le délin là, dis donc. Ah là là. Il n'y a pas de porte. Pas pour l'instant. Je vais en mettre quelques-unes à des endroits stratégiques. Pour l'instant, on fait juste architecture de base. Enfin, de base. Un peu plus que de base. Qu'est-ce que c'est embêtant quand il y a des blocs invisibles, ça me fait toujours flipper. Ça y est. On va dire. On va surcrafter. Toc, toc. Je sais, escalier dans les machins. La scie, c'est pas. Hein. Hop. Voilà. Et en fait, le dernier étage, on va le faire très aéré, très aérien, entre guillemets.
Vous allez voir. Voilà. Donc du coup, je vais faire 1, 2, 3. Je laisse 1, 2, 3. Ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va faire comme ça à chaque fois. Central, 1, 2, 3. Donc ici. Bon, moi, j'aurais pu faire 3 par 3, ça aurait été mon. Ok, et donc là je vais avoir 4, 5, 6e et pour la hauteur du dessus, est-ce que je fais dépasser on fera dépasser le toit comme ça, on va faire comme ça, donc ça sera bien 1, 2, 3 et du coup je vais faire bim, j'espère que j'en ai assez des machins. Ouais, c'est bon, ça va aller. Donc là on va tac sur le côté. Hop. Non. Hop. Ah, bon app. Bon app, Unnotor. Oui, c'est bien. À l'escalier. c'est bien d'avoir des discussions un peu sur la vie, sur des trucs comme ça. C'est important. Voilà. Ou que des fois, des gens s'imaginent pas et du coup, savoir qu'il y a des choses comme ça qui existent. C'est bien de le savoir. Par contre, ici, jusqu'où je peux mettre du blanc, là. Peut-être là. Ouais, c'est pas mal. Ok. Là, on tombera pas trop haut, ça ira. Donc, dernier petit plancher qui est ici. Comme ça. On va pas s'embêter, on va faire juste un plancher simple, comme ça. Très très bien. On va se mettre une torchinette centrale ou plutôt cachée. On va les mettre cachées là sur les piliers. On va les mettre ici, 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 ici. Très bien. Et là, j'ai envie de dire, on va faire hop, hop. On va donner quand même un petit peu d'épaisseur au machin quand même. Ouais, dis donc. J'espère que ça ira. Au niveau épaisseur qui dira ouais c'est valide ou c'est pas valide, je verrai, je jaugerai, on jaugera, on jaugera. Esbreu, crotte, allez reprend tout. Ok, bon, donc là on remet nos petites barrières. Ah, j'en ai pas assez et j'ai transformé tous mes blocs, crotte de bic. Bon, c'est pareil, il va falloir redescendre. La face avant elle est là. Ça fait un, ça fait haut, hein. Ça fait un peu haut. Là, ça fait moins haut. Ça va, ça va. On a le droit à je sais plus combien de blocs hein, avec la fissure Volume 4. Alors, puis on récupère vite sa life. Alors, F4, qu'on regarde un peu. En vrai, ça va pas être mal. Peut-être rajouter des petites dalles éventuellement pour pas que ça soit trop ouvert, genre comme les clochers des églises. Combien il m'en reste là? J'en ai 32
32. Il me faut des machins. On va se faire des barrières. Et surtout, on va se faire un dodo, bien sûr. Dis donc. En 32, j'en aurais pas assez. Ouais, on va faire dodo. Comme ça, ce sera bien. No risque. Comme Chuck. Chuck no risque. Alors du coup, je l'ai fait plus clair. Fais voir ça, quelle couleur ça fait. Je la mets à côté. Oh, on est bien là. Eh, on est bien. Super. Comme ça se confondra pas avec les autres. Ça se confondra pas avec celles qui sont là, donc c'est plutôt cool. C'est-à-dire que je vais m'en faire 2 stacks, ça va peut-être faire beaucoup. Quoique ça va partir très vite. Ça va partir vite. Et donc je suis tout seul là, ici. J'ai les barrières, on a tout. Ah, on a tout. Allez, ça remonte. Alors, are you ready for the tournicoti? For the tournicoto. Je veux dire que tout est bien. Là, ça fait pas mal en fait, un petit plafond comme ça. Ah, par contre, il n'y a plus la lumière. Elle est là. Ouais, je sais, j'ai pas besoin normalement d'en mettre à tous les étages, mais on la connaît l'histoire. Oh, bon, là, j'ai. Ouais, là, c'est pas la peine. Okay, là, c'est pas la peine. Alors, du coup, on va faire. Hop. Alors, ça paraissait un petit peu fragile parce qu'il n'y avait pas des blocs partout. Mais vous allez voir qu'en rajoutant tout ça. Ça fera solid vite en fait. Vous allez voir. Ça va le faire. Ok. Alors justement, après les dalles, faut pas que j'en mette de trop. Mais vous savez, dans les clochers, vous avez souvent ce genre de. Non, en plus, c'est les blanches. Enfin, les blanches. Les hawks. Donc on va les mettre là, genre. C'est bien. Comme ça. Alors ça touche pas. Ça touche pas. Ça fait bizarre, mais ça fait pas. Alors de là où on est nous, ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre. Ah zut. Ah zut. J'ai pas pensé à ça. Jure. Non, Calgary, j'ai pas encore tué le dragon, sinon j'aurais des Elytras. J'avais envie de construire d'abord, de me faire bien mes outils et tout, et puis je suis pas rien à construire. Et en fait, j'ai pas encore fait le dragon, mais je vais le faire bientôt, très très bientôt. Bon, alors ça, par contre, c'est embêtant. C'est embêtant. Côté beach. Oh, je vais quand même pas élargir tous les piliers juste pour ça, quand même. Charles. Bon, sinon, après, il y a la technique de mettre les escaliers, mais c'est pareil. Si je les mets là, ben ça, c'est pareil. Alors après, l'astuce, c'est d'utiliser le bâton magique. Que j'ai laissé je sais pas où dans mon Underchest et de lier tout ici, mais bon, pff, relou quoi. Oh zut. Et sinon l'autre solution c'est de tout doubler. Oh purée, je vais pas doubler tout ça. Tout doubler. Ça veut dire faire ça en fait. Ça va faire beaucoup, hein.
Pourquoi on peut tout oublier comme ça? The other solution. Bon, vous me direz, j'en ai fait pas mal des dalles, mais c'est quand même embêtant, quoi. F4, ça dit quoi l'histoire? Ouais, c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. Tiens, d'ailleurs, je me suis trompé dans les. À l'endroit où il faut les mettre. Faut que je sois un cran plus bas. Là. Crotte. Crotte de bridge. Ici, là. Celle-là, elle n'est pas bonne. On récupère. Ok, on récupère. Donc, du coup, il faut que je sois juste. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je sois là. Ok. Bah non. Bah si. Ah si, si, si. Je savais plus, dis donc. C'est marrant, hein, quand t'es tout prêt, t'as l'impression que. Qu'en fait, ils sont pas du tout à la même distance, mais en fait, si. Oh, t'es sérieux. Bon, au moins, ça évite de tomber. F4, ça dit quoi, ça? Si on se met de loin, j'aurais pu déjà finir. Ça fait pas mal, hein. Moi, je dis que c'est pas mal. Faut que j'en rajoute une, c'est ça. Faut que j'en rajoute une qu'on va mettre là. Et vu qu'on voit derrière, je suis obligé d'en mettre comme ça, en fait. Ok. Ouais, obligé. Comme ça. J'aurais dû commencer par le haut. Allez. Bon, de toute façon, du haut, que j'en ai quand même un peu. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Ok, ça c'est bon. Je vais pas mettre au sol. Hein. Faut pas quand même pas pousser les mains. Ça c'est bon. Vous allez voir qu'on va manger, on va manger presque les deux stacks. Enfin, pas tout à fait, mais c'est abusé, quoi. Voilà. Après, j'ai plus qu'à rester au milieu, hein, puisqu'on a besoin de grosses cloches. Ah, l'autodérision, ça fait du bien. Alors, F4, ça dit quoi maintenant, le truc? Ouais, on est pas mal. On est pas mal. On est bien. Surtout que le toit, là, bien sûr, il va y avoir le toit. Donc forcément, j'en ai pas pris du machin, moi. Non, mais c'est pas mal. On est pas mal, donc du coup, à te juger. On va faire un petit toit pas trop pentu. Ah, vous avez des flèches d'église. Ça monte, mais là, je pense qu'on va pas trop abuser pour une église romane. Même si je connais certaines églises romanes où ça grimpe, hein. Les fence gates. Ouais, les portillons, ouais. Coucou Fredo. Des trappes plus fines. Ça changerait rien. Est-ce que des fence gates, ça aurait été. Ouais, mais ça va faire la jonction. Le problème des fence gates, c'est ça, c'est que en fait, ça va m'épaissir. Ça va épaissir les trucs, ça va les amener, comment dire, vous voyez, ça va les amener à la hauteur du bloc. Donc du coup, j'aurais pas cet effet presque arrondi. Vous voyez ici, très légèrement décalé. Là, on a quand même un décalé. Là, on a un décalé. On l'aurait pas eu. Donc du coup, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Mais effectivement. On aurait pu le faire avec des fences, sauf que ça aurait juste épaissi les trucs là. Mais bon, allez, c'est bien. Comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah, c'est pas mal ça. Alors, on va se faire un toit. 20h21. Oh purée, ça passe trop vite. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Alors,
Je vais prendre carrément. Allez, on est des fous. Hop. J'ai pas des escaliers tout faits, moi. C'est un petit peu, très très peu. J'ai mon stone cutter sur moi. Ça, j'ai pas besoin. Je peux ranger. Je peux ranger un sac et blanc. T'as de la chance, Al, d'avoir un petit chiot. C'est du bonheur. J'avais oublié de le dire. Mais c'est quand même que du bonheur, quoi. Nouvelle vie dans la maison, un nouveau membre de la famille. Tout, c'est bien. Plus de machin. Alors, tac. 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 Ne nous énervons pas, mais oui. Et tac. Autour, est-ce que je... Alors, attendez, F4. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je les mets là ou un cran dessus? Bon, on va les mettre un cran dessus quand même. Ouais, on va les mettre un cran dessus. Quand même. Par contre, je peux mettre peut-être des petits supports. Ça ferait peut-être joli. Qu'est-ce que je vais mettre comme support là-dessus? Pour le toit. Là, j'ai rien mis. Non, j'ai pas mis de support. Ah, j'ai pas mis de support. Non, bah, on va pas en mettre alors. Ok, pas de support. Allez hop. À l'ancienne. Les chats, c'est mieux. Waouh. Les chats, les chiens. Bon, j'avoue, moi, avant d'avoir un chat à moi, parce que j'ai eu des chats qui ont vécu chez moi, mais ils n'étaient pas moi. C'était pas mes chats de ma maison, c'était une dame qu'on avait hébergée au début pour la dépanner pendant quelques semaines. Elle est restée 10 ans. Bon. On est comme ça. Et du coup, une dame âgée. Hein. Et... comment dire, elle avait des chats, mais ils m'empêchaient de dormir et tout. C'était une catastrophe. Bon, ils n'étaient pas méchants. Moi, ils avaient compris que j'étais le maître de la maison. Hein, et tout, mais c'est marrant hein, comment ça réagit à ces bestiaux-là. Mais voilà. Et j'ai eu un chien, par contre, qui était un mélange de labrador et de chien de berger, qui était tellement gentil, ce bestiaux. Qui était vraiment un adorable... Un animal vraiment d'une gentillesse incroyable. Et donc, pendant très longtemps, j'étais beaucoup plus chien que chat. Et là, avec mon chat que j'ai maintenant, j'avoue que je me suis mis vraiment à bien aimer les chats. Bon, après, ça dépend des bestiaux, mais ils sont tous différents. Hein. Tous les bestiaux sont différents, mais lui, il est marrant, ce chat. Bon, il m'empêche quand même beaucoup de dormir parce qu'il rentre, il sort et... Il fait sa life, quoi. Bon, c'est normal, hein, comme tous les chats. Mais par contre, c'est marrant comment... Souvent, le soir, il me saute dessus et puis il me fait des gros câlins et tout. Faut dire qu'on l'a eu bébé, il était pas complètement sevré. Et en fait, du coup, je lui donnais le biberon et je le prenais dans mes bras d'une certaine façon, un peu comme un bébé, en fait. Hein. Et très souvent, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il revient... genre s'il s'est frité ou qu'il a fait des trucs dehors ou qu'il a eu un petit souci, qu'il a eu peur ou quoi, et ben il me saute dans mes bras puis il se remet dans cette position là. Il faut absolument que ses pattes arrière elles touchent mon bras ou quelque chose et ça il kiffe. Voilà. C'est la machine à rond, je te dis pas. Enfin bon, je raconte ma life. Félonie, je marine au citron. En plus, je crois pas que. Je sais que. Bon, il y a des Chinois qui mangent des chiens. Mais je sais pas. Ils mangent les chats aussi, je crois. Je sais plus. Enfin, je sais pas si vous savez. Gros bisous, Anaïs. Prends bien soin de toi. Je te fais des gros bisous. Donc, je sais pas. C'est horrible même de penser à ça, en fait. Okay. Mon Dieu.
Ah oui, à 4 ou 5 heures du mat, ah ça pique. Quand t'as 4 du mat, t'as le bestiau qui arrive et... Oh, et tout, oh non, pitié. Ça doit être un petit peu énervant. Un petit peu beaucoup. On va faire comme ça. Je pense qu'en montant de 2, ça ira. Ce sera pas mal. En montant de 2 comme ça. Comme ça, ça fait pas un angle trop important. Puis on reste dans des structures romanes, hein, donc pas besoin de faire des toits de ouf. Faire des toits assez simples comme ça. Ah oui, par contre, comme c'est en carré, des fois, faut faire sauter les coins. C'est vrai que ça fait plus joli. Si on fait sauter les coins, ça fait plus joli. Alors, peut-être pas ceux qui sont tout en bas, mais ceux qui sont là. C'est vrai. J'avais oublié, dis donc. J'avais oublié. Marque même ceux qui sont là. Tour F4. Vous voyez, sinon, regardez, s'il y a les coins, ça fait des bosses. Et quand vous enlevez les coins, regardez, vous avez vu comment ça lisse? C'est marrant, hein? Bon, là, évidemment, avec l'ombrage, on voit moins, mais en fait, ça lisse deux fois plus que si vous laissez les coins dans les coins. Enfin, vous m'avez compris. Par contre, ça va m'obliger à mettre quand même quelque chose, éventuellement, peut-être des dalles pour éviter que ça spawn. Même si je préfère qu'il spawn sur le toit que dans l'église. Ok. 28. Allez, on en refait encore une. Et puis après, ça va être good. Je finirai ça tranquillou hors live. Ça, je vais le virer tout de suite. Je pense qu'au niveau inclinaison, on va être bien comme ça. Parce que moi, ma journée n'est pas encore terminée, les amis. J'ai encore plein de trucs à faire ce soir. Là, je vais aller manger quand même parce que j'ai la dalle. Et après, j'ai encore d'autres trucs à terminer, tout ça. Donc, on va voir. On va voir. Là, j'aurais bien aimé. Voilà, allez, ici, ici. On va casser ça, on va se remettre ça au milieu. Hop. Là. Là. Comme ça, on pourra remonter et finir le toit ici. Donc, ok. On verra ça. Allez, on descend. Pop, hop. Dodo, shader, tout ça. Je peux pas sortir. Non, je peux pas sortir. Bon, c'est pas grave. C'est fatigant, hein. Hop. Je te jure. Alors, dodo. Bisous, Vandars. Coucou, Sandrine. Ça va et toi? Ouais, ça va bien comme ça, les abassons. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, tu vois, des abassons. Je sais que c'était pour que le bruit se répande, le son des cloches se répande plus, mais comme ça, ça fait cool, hein. C'est pas mal. Non, on est bien, hein. Le toit est pas trop pentu. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de comparaison, bon, cette église-là, c'est une église romane, mais qui est particulière dans le sens où les toits... Les toits sont quand même... Alors, il y en a un qui est de l'époque romane et l'autre qui est des potes qui a été refait plus tard. Et comme ça, vous verrez un petit peu des sources d'inspiration que je peux avoir. Tac, tac, tac. Alors, je vais le mettre sur... Choix du jeu, display capture. À chaque fois, je sais plus. Et je vais cacher ça. Voilà. Comme ça, vous voyez... Hein, ça c'est une église romane, on le voit avec les arcs en berceau, hein. Vous voyez les fenêtres, etc. Ça c'est typique des églises romanes, hein, quand vous avez des fenêtres dans ce style. Alors, plus rare, quand vous avez des roses comme ça, c'est déjà plus rare. Et regardez les toits, là on voit bien, ce toit-là, il a été refait à mon avis plus après. Hein, donc vous avez des pentes beaucoup plus importantes, et en plus, regardez tous les aiguilles, là c'est quand même typique.
C'est quand même assez typique. Le gothique a repris beaucoup ce genre de trucs-là. Que là, si on a un toit, à mon avis, qui a été refait, rénové, il a été rénové, mais ils ont suivi le plan de base de départ. À mon avis, on a des pentes moins importantes ici. C'est sympa. Là, ouais, c'est ça, c'est ressemble exactement. Merci pour la précision. Voilà. Bim. Donc là, comme ça, on est bon. Ça, je le remets là. Je remets mon Minecraft. On va se faire option, vidéo setting, shader. On va mettre machin. Voilà. Des abats-sons. Moi, je connais Bason. Mais abats-sons, je ne connaissais pas. C'est quoi les trucs qui dépassent partout sur le toit à droite? J'ai pas vu. Attends. Back together. Ça fait sympa. Hein. Les trucs qui dépassent sur le toit à droite, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est d'abeilles, mais c'était tellement gros. Ah oui, ça! Si tu parles de ça, Roi Normand. Ouais, c'est des abats-sons. En fait, regarde, sur les hélices, on a souvent des trucs comme ça. Et voilà, c'est le concept. Bon, bah, c'est bien ça. Elle commence à prendre forme, cette petite église. Dis donc, dis donc, dis donc. Même de l'intérieur, on voit bien hein, le style roman, on reconnaît quand même assez bien. Ça, c'est très typique hein, de l'art roman. Hein, vous n'avez pas spécialement de croisée d'ogives. Il y en a, hein, il y en a sur certaines églises romanes, bien sûr. Mais très souvent, dans la nef, vous avez des choses comme ça. Ça c'est bien avec des arcs en plein cintre et tout à l'ancienne. Mais voilà, je pense qu'elle va être très sympa. On va pouvoir la terminer. Comme ça, on a une belle vue. Il flotte, hein, c'est pour ça que ça fait une vue chelou. Mais c'est plutôt cool. Voilà les amis, j'espère que ce petit live vous aura bien plu. Alors, on se retrouve demain. Très important, demain, live Minecraft à 18h. Mais sur le serveur Evolucraft, donc qui est un serveur sur lequel je vais sans doute jouer. Et en plus, on pourra jouer ensemble. Je vais discuter avec Kay-Pierre. On va voir si je rejoins sa ville, si ça me plaît. Ou alors si on fait une ville concurrente. Mais à plusieurs, avec certains d'entre vous. Hein, d'autres gens, je vais le dire sur mon Discord. Hein, on va voir. Mais demain, ça sera un bon test. Déjà, voir comment ça se passe. Est-ce que ça me plaît. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on verra comment ça se passe. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous également. Passez une bonne soirée, restez avec nous parce qu'on va hoster quelqu'un qui le vaut bien, bien sûr. Je vais quand même me mettre Chap Save and Kit. Voilà, comme ça, parce que j'ai toujours peur, hein, bien sûr, c'est toujours dangereux. Et je vais lancer 60 petites secondes de publicité, donc ça passe très très vite. Big bisous, bonne soirée à tous et à bientôt, Toto. Tchou tchou. Alors, qui c'est qui est en live? On va voir qui c'est qui est en live. N'hésitez pas à faire des propositions, hein, bien sûr. Ça, je peux faire ça. Le mode bouclier, on s'en fiche. Alors, qui c'est qui en live? Ah, pourquoi j'ai le son? Ah, je l'avais coupé, je croyais. Choco taco. Alors, il y a Tuck qui fait du V-Live. Et Kishi en live. Kishi, tiens, bah, tiens, ce coup-ci, ça va lui faire plaisir. Il fait du V-Live aussi, mais il va être content. Allez, ami avec Kishi, bonjour. Ah, il y avait Eldragon aussi. Bon, et Kishi d'abord, et Eldragon, ça sera bientôt. Alors, attendez, lancez un raid. Allez. Le camarade avec Kishi 33, lancez le raid. Très très gentil. Et ça part dans 30 secondes, donc ça va très très vite. Très 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 vite. Ok, alors faut que je sauve mon truc, moi. Ah bah c'est bon. C'est bon. Il faudra que je sauvegarde mes trucs. Donc ça, je vais garder ça. Et on verra après. Allez, ça part dans 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1.
Joyeuse Pâques! Allez, bisous! Et pan! Si, j'ai vu, j'ai vu.